Oh là 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 là, combien? D'accord, donc j'ai le temps de rien. S'il l'emmenait pour dire bonjour au public. Comment? Non, je sais que c'est pas mon micro. Oh, je n'ai pas de truc. Ça marche, on me dit. Mais vous m'avez toujours pas dit comment on dit prendre par la main sur Twitter. Merci beaucoup de m'aider. Adco est officiel, quelqu'un pourrait m'aider? Chut, personne me le dit. C'est terrible, je ne saurais jamais. Tous les artistes que vous entendez habituellement en disque sur Énergie sont en live ce soir chez Koé. Ils peuvent pas en dire autant chez Nostalgie. Koé, 19h, 22h, en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Koé officiel, allez sur notre nouvelle application, téléchargez la nouvelle application Koé, la nouvelle application Énergie, et les images aussi sur Dailymotion, même si des fois vous nous dites ah ça bug, parce que des fois il y a un peu trop de monde, voilà. Mais moi ça arrive. J'ai demandé qu'on me dise sur Twitter comment on dit viens je te prends par la main, personne ne me répond. Il y en a, ah si, on vient de me répondre, tech end. En même temps tu peux demander à Elsa qui est juste devant toi. Non, non, je veux le faire tout seul, sans la traductrice. Mais il demande les autres. I try in English. Ellie Goulding, hello. Hello. Hello, dude, I'm looking for. I would like to take you by the hand. Ah bah merde, ouais. C'est ça? Take you by the hand to say hello to the French public in front of the studio. Bravo, bilingue. Mais c'est parfait. Do you want to come with me? Ça y est, t'es bilingue. Oh my god. Oh my god. Ça y est, je suis au chômage, enfin. Eh mec, tu tiens Ellie Goulding par la main là. Bah, je tiens Ellie Goulding par la main. Il en profite. Regardez, voilà, je vous ai ramené. Je vous ai ramené Ellie Goulding parce que je me suis dit quand même. The French public, avec des gens partout. And we are live on Energy. Are you okay? I'm fine, I'm warm actually. La chaud. Reste avec nous dans un instant, on est de retour avec Ellie Goulding ici en live. I'm very happy to see you tonight. Bougez pas, dans 2 minutes sur Energy. Trop dit ou trop. Bonsoir à tous et bienvenue. À 18 ans, j'habitais ma province. T'as vu, imitation. La maman, elle est morte, la maman. Quoi? Charles Aznavour, c'était une imitation de Charles Aznavour. À 18 ans, j'habitais ma province. Bien décidé, on va dire Paris. Imitation de vieux, mais bon, qui marche très fort. Ça va, vous? Vous avez vu? Déjà 9h moins 10, dans une heure, l'émission est terminée. C'est déjà presque fini et je suis épuisé. Déjà? Tu branles rien, toi? T'as pas bougé une fois de ton siège? Ouais. Faudrait que je présente la technique, parce que vous voulez vous faire mousser, en fait. Ok. Ah, c'est dommage. Ah, c'est gâchis. Music Awards. On est en live sur Énergie, ici, en live du studio. Je vous cache pas que pendant les pubs, alors que les gens en profitent pour faire pipi, moi je n'ai le temps de rien. Ouais. C'est à chaque fois je dis attends, alors il y a machin qui est prêt. Alors dans un instant tu annonceras M. Pokora. Ouais. Alors je vais dire d'accord, il y aura M. Pokora. Et puis en même temps il y aura Kenji. D'accord, il y aura Kenji. Après l'émission, on va aller se poser. Vrai, peu, là, après l'émission, que... je vous le dis tout de suite, il ne va pas falloir m'en demander trop. Hein, je pense pas, ouais. Ellie Goulding, en tout cas, demain on se dit que t'es nommé dans la révélation internationale de l'année à côté de Wiz Khalifa, Omi and The Weeknd. Et moi je te le dis, le 6 novembre. On est quoi là? On est le 6 novembre, c'est quand? Bah, c'est aujourd'hui. Mais bah, c'est aujourd'hui la sortie de l'album. L'album comes out today. Yes. Fantastique. Am I well then? Yeah, elle vient de réaliser. Today, oui, aujourd'hui. It's a great day. Yeah. It's a really good day. But I'm very excited. Ça va te porter chance. It's going to bring you luck for tomorrow.
Yes, I feel really good about tomorrow. Rehearsals were really good. Écoute, elle le sent bien demain. En plus, elle a répété, ça s'est bien passé. There was too much smoke everywhere. Trop de fumée, par contre, sur la scène. Ça se gère, ça. Ellie, tu sais que je t'adore. You know he loves you, right? Do you? Oui. Tu l'aimes, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Yes, he does. Mais il faut que je te dise un truc. But he has to tell you something. Ça peut te faire mal. And it might hurt. Really? Oui, c'est possible. Possible. C'est quoi ce pull? Oh non, c'est exagéré. What a sweater. I didn't know that I was being filmed. Déjà, elle savait pas qu'elle serait filmée, que tout le monde verrait. Mais non, il est bien. C'est un pull où on reste calme, tranquille à la maison. It's a sweater you wear at home. Ça sent le dimanche au coin du feu. Mais t'exagères. Mais il est magnifique son pull. Attends, tu veux qu'on parle de ton t-shirt tout simple? Ouais, vraiment. I mean, look at his shirt, please. I was told that I was doing an interview. On lui a dit que c'est une interview, elle savait pas que c'était filmé. Mais j'adore faire chier. Mais il est magnifique avec ce pull. I've even got like boots on. Like I'm not even wearing any heels. Les chaussures, elle est détente. I would have made more of an effort if I'd known it was in front of all these people. Oh my god. Si elle savait qu'il y avait tout ce monde et des limochettes, elle aurait fait un effort. Mais c'est tout. I can take it all. Oui. Et puis c'est respectable de porter des t-shirts, des cadeaux qu'on t'offre à Noël par la famille. He says it's nice to wear gifts that they give you for Christmas. C'est ça. I like this. Elle lève son pull, alors ça va. En attendant, Ellie, écoute-moi bien, puisqu'on parlait de la chanson de 50 nuances degrés avant qu'on accueille M. Pokora dans un instant. Yeah, we were talking about the song. Comme je t'aime beaucoup et comme on se connaît un petit peu, pas tant que ça pour en parler, mais quand même, je vais te parler de quelques-uns de mes plaisirs charnels, un rapport à 50 nuances degrés. Oui. Et tu me répondras. Love me like you do, ou t'es un malade. Okay, since you guys are very intimate, he's going to tell you about, you know, stuff he likes to do in the bedroom. Okay. And you either have to answer love me like you do or you're a sicko. Okay. Which you're in French is espèce de malade. Comment tu dis en anglais? You're a sicko. You're a sicko. Espèce de malade. Espèce de malade. It's the French lesson. Ouais, je pense que ça va lui servir. Avant de faire tout est très sérieux. Hein. Very serious stuff. Avant de faire l'amour avec une fille, je lui fais systématiquement remplir une checklist sur ses envies et ses habitudes. Before he makes love to a woman, she systematically has to fill in a checklist about her hygiene habits and what she likes. Un peu comme dans le film d'ailleurs. Comme dans le film. Kind of like in the movie. Well, it's good to know about hygiene. Oui, l'hygiène c'est bien. Voilà. Because that could be not very nice. Donc, ça peut avoir une mauvaise surprise. Voilà. Donc. So yeah. You would say okay. love me like you do. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Je tapisse ma chambre de photos de toutes mes conquêtes sexuelles. Pour l'instant, j'ai qu'un petit coin de rempli, mais je désespère pas. The wall of his room is covered with pictures of women he sleeps with. For now, there's just a little corner. It is not. You don't have that. Non, tu fais pas ça. No pictures. Non, le mur est rempli. No, the wall is filled with pictures. Alors? Okay, and who are you going to put in the free corner? Et dans le coin qui est libre, tu vas mettre qui en photo? Bah, il reste une place. Et là, le regard, ça lasse. Il reste une place. There's one little spot left. Well, because you've got pictures up, which I don't agree with, I have to say, espèce de malade. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'elle dit. Très bien dit. Elle a raison. J'adore faire l'amour devant une cheminée, traduit au fur et à mesure. He likes to make love in front of a chimney. Sur une peau de bête. Oh, on like a dead animal skin. Mais encore vivant. Ah, but the animal's alive, sorry. Ça met des piquants. Like on a bear or I'm not know. Sure about that. Non, ça, elle sait pas trop. That could get quite weird. Oui, ça peut être un peu chelou quand même. Donc the animal might get involved and that's really oui, weird. Parce que l'animal peut peut-être s'impliquer. Et là, ça devient très bizarre. Non, surtout non. Si c'est un ours. Especially if it's a bear. It could be messy. Ouais, ça peut être un peu le bordel. Alors, Bah, espèce de malade. Non. Espèce de malade. Ouais. C'est bien. C'est vrai qu'il le dit. I like the way you say it. Repeat just une dernière fois parce que je trouve que c'est bien. Just say it again, just for the pleasure. Espèce de malade. C'est même mignon. Tu sais quoi, Ellie, juste avant de te dire au revoir. Just before we say goodbye. Quand je t'appellerai la prochaine fois pour une pizza. Next time he calls you for pizza. Je te dirai c'est l'espèce de malade. I was gonna say it's l'espèce de malade. So you'll know who it is. Okay, it's the sicko. Okay, great. Oh, it's the sicko. Voilà, elle va revenir, c'est bon. Qu'est-ce que je fais, Julie, au niveau du timing? C'est toi qui gères tout. On écoute pas de con. On écoute pas de con. Et je dis au revoir à Ellie Goulding. Oui, après. On va accueillir M. Pokora. D'accord. Très bien. Elle reste encore avec nous 5 minutes. Oui, 5 minutes. C'est un plaisir. We're keeping you 2 more minutes. Et je déconne. J'aime ton pull. And he likes your sweater. No, now I look at it, it is a bit shit. Maintenant qu'elle le regarde, c'est de la merde. I didn't actually see what. Right.
You got everything, Zaz, wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like a DJ on a free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. De Cannes pour les Energy Music Awards. On est en live ici des Energy Music Awards, on est dans le before des Energy Music Awards. Oui. Et je voudrais que tout le public ici devant le studio, que vous, chez vous à la maison, ceux qui vous suivent sur internet et tout font, vous faites tous beaucoup de bruit pour M. Pokora qui vient de nous rejoindre. C'est bizarre hein, d'être là parce qu'on a l'impression qu'on est caché du bruit, mais ouais, crois-moi quand tu viens. On a l'impression que... d'être dans un aquarium un peu. Et tu vas voir quand tu vas sortir, tu vas bien les entendre après. Mortel. Tu Ils ont l'air chauds en tout cas là. Et alors, Matt, chacun fait ce qu'il veut dans cette émission, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Ellie pendant deux secondes là ? J'ai vu que vous avez eu une discussion. Je veux savoir si tout va bien. Ah ouais, genre. We can't tell you that. J'ai pratiqué mon anglais. C'est privé. And your English is good ? Bah, faut demander à Ellie. Ask her. Oh, bah oui. What is it? What? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai dit demande-lui. Is his English good? It's really good. Très bon anglais. Est-ce qu'il est mieux que le sien, lui? Better than. Which one is better? Mine is better than yours. Which one is better? My French accent? What? What? What is the problem? Tu vois, peut-être qu'elle fait ça, c'est très bien. Non, il parle très très bien anglais, elle a dit. The English, the better than me. It's my lament, en fait, apparemment. It's very good. You know what? It's very good. I'm shocked. I'm shocked. Wow. J'avais dû l'inviter, t'as tout perdu là. Dès qu'il arrive, t'as tout perdu en deux minutes. Ellie, yes. Je te dis un gros. Alors, c'est une tradition qui peut sembler bizarre, mais en France, on dit un gros merde. C'est plutôt sympa. There's a French tradition that says merde, which means shit, to say good luck, and you don't say thank you. And never say thank you. Voilà. You don't answer thank you. Really? What? Why? Is it? What's this? It's for good luck. We say merde for good luck for tomorrow night, but you're not allowed to say thank you. Really? Non, it's not a joke. Quoi? Ouais, c'est pas un joke. Mais quoi qu'on se fout de sa gueule? Non, là, c'est sûr, c'est true. Mais non, pas un joke. T'es fait, ne crois pas du tout. Vérifie, aucune crédibilité. Mais si je demanderai. Merde. Il He's very upset because you didn't believe him. Tout ce que j'ai dit dans cette émission. So you say merde instead of saying good luck. What? Tu dis merde au lieu de dire tout ce que j'ai dit dans cette émission est sérieux. Tout. Everything in this show is very serious. Le merde, l'amour sur l'ours. Making love on the bear. Ton pull. Tout. Your sweater, everything. Except his English. Ouais, à part son anglais de merde. C'est Matt qui l'a dit. So merde for tomorrow. Voilà. Shit for tomorrow. Non. Perdu. Oh c'est no, fini, it's fini, bad fini. Luck. Go back to London. And don't take the plane. Don't take the plane. She's just supposed to say that and then nothing. It's like you're 7 years of bad luck. Thank you. Oh, well, I've had a lot of bad luck this okay, week. Okay, so it can't be any worse. Elle dit qu'elle a eu de la poisse cette semaine, ça peut pas être. No, so big okay. Merde for tomorrow. Shh. Voilà. And you don't, like and you don't, like. And you don't say thank you. Non, arrête. L'embrouilleur. Faites beaucoup de bruit pour Ellie Goulding, qui est notre invitée ce soir avec nous. C'est ridicule quand on applaudit Ouais, je sais, mais il faudrait qu'on pousse les micros à fond de dehors parce que j'ai l'impression qu'on peut les pousser plus. Non, mais nous on se rend pas compte. Le public, faites beaucoup de bruit, on a poussé les micros, vas-y.
Laissez les micros bien fort dans le public parce qu'en plus de mon copain, ça va toi? Bah au top. Eh, au max. T'as pas marre d'avoir des 12e participation. Oh putain. Mais la dernière fois, c'est un yeuve. Tu sais que j'en ai parlé à l'antenne la dernière fois dans l'émission. J'ai dit que globalement, je pense que ta maison, tu l'as construite avec des Energy. Avec des Energy Awards, les fondations sont des Energy Awards. Et bah puisqu'on a des copains qui sont là, faites beaucoup de bruit pour Kenji aussi qui est avec nous. Allez. Ah non, il a mis un vent à Julie. Mais moi d'abord, c'est moi c'est qui fais les bisous. Vraiment, ah, alors, il faut que vous me racontiez un peu ce qui s'est passé. Matt, pendant que Kenji fait la bise à tout le monde, vous avez fait des répètes, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on a tous fait des répétitions. Il y en a qui sont comme Kenji arrivé mercredi. Moi, je suis arrivé ce matin, je fais mes répétitions. Et voilà, après, il faut aller voir tous nos amis d'énergie, faire plein de photos, aller voir le public un peu partout. Mais on enchaîne tout le temps, en fait. On n'a pas le choix. Envie de venir chez quoi, mais on est là, quoi. Ah, ouais, c'est sympa. Je plaisante. Pas le temps, il y a des moments comme ça, j'ai pas le choix. Il dit, je peux même coucher, tu viens ici. Non, j'ai pas le choix. Kenji, t'as fait quoi, toi? Ben, moi, j'ai fait quoi? Je viens de sortir de. T'es maquillé, toi? Ouais, parce que je viens de sortir, pour elle, il a fallu que je mette change dans la voiture, parce que j'étais en train de faire un. Comment on appelle ça? Un empex avec Aznavour. Et ça se fait que j'ai. Ouais, je sais, les amis. Non, c'était. Le visage, c'est presque ça. Ah oui, t'as fait. Et alors, il était comment, Charles? Ah ben. À part sourd. Incroyable. Rock'n'roll. Elle était incroyable, c'est sérieux. Les rencontres de génération comme ça, généralement, ça donne des super trucs. Et c'est un grand monsieur. Ouais, vous verrez ça demain soir à la télé. On va pas tout dire, mais demain soir, voilà. Ça sera l'une des surprises que vous verrez, en tout cas, sur TF1. Julie, il faut que tu arrêtes de parler dans mon casque, parce que définitivement, je ne t'entends pas. Mais tu m'écoutes. J'entends quelqu'un qui fait. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'étais en train de dire qu'ils sont dans la même catégorie artiste masculin de l'année. Oh putain, bagarre. Vous voulez pas faire comme ça? Oh les mecs. Parce que Monsieur Pokora a nommé dans la catégorie artiste masculin de l'année, avec Black M, Soprano et Kenji. Là, c'est la catégorie de la bagarre. Ouais. C'est la guerre. Vous voudriez qu'on se bagarre. Il y a du gros dos. Mais je crois que je sais pas combien de fois j'étais nommé dans cette catégorie. Je crois que c'est la première fois où avec vraiment les trois autres candidats, on s'entend vraiment super bien. C'est-à-dire quand on se croise. Si il en manque un pour la fondation de ton appartement, t'es pas bien là. Non, franchement, non, mais comme je dis, honnêtement. T'es en train de dire que les autres années, tu pouvais pas les blairer, ceux qui étaient. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'avait pas spécialement de rapport, on se croisait pas. Autant là, on se croise régulièrement sur des plateaux, on prend le temps de parler ensemble. Enfin, la vibe est vraiment très bonne entre nous tous. Et est-ce qu'on se disait, nous on en parle depuis un petit bout de temps, et Emma, là c'est la catégorie où c'est la grosse guerre, parce que c'est vrai que lourd. Sur les réseaux sociaux, c'est. Avec Sopra et tout, enfin, ça y va fort. C'est chaud, quoi. C'est le fuego. C'est ça, fuego. Black M, Kenji, Soprano, Pokora, sérieux. C'est la seule où on ne sait pas en fait. Tout à l'heure, toujours un pronostic. C'est vrai. Tout à l'heure, plus tard dans la soirée, il y aura Black M, je crois, avec Guillaume. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Black M en plus. Franchement, je ne sais pas. Ça va être chaud. Il y a des fois, c'est un petit côté l'école des fans de dire tout le monde est bon, mais là, pour le coup, c'est vrai. Là, il va falloir le découper en quatre. Je ne sais pas comment, parce que c'est solide comme truc. Je crois que celui qui gagne, on va s'arranger. On va se mettre d'accord et dire bon, les mecs, on le découpe à quatre, on monte tous les quatre. On a le temps de faire quoi, Julie, tout de suite? On va se mettre au Watermat. Oui. Quoi? Ah mais putain, comme tu dis en mode fatigué. On va se faire en mode Watermat. J'ai pas bu les gars. T'as vu comment elle l'a fait? On va se faire en Watermat. Non mais notre Julie, elle est sous pression ce soir. C'est un chanteur. Watermat, c'est bien. C'est ce que j'ai dans les oreilles. Écoutez ça, c'est sur Énergie. Si vous connaissez pas Watermat, mais vous l'avez entendu, on a l'impression qu'il y a un camion qui passe. Ouais. C'est vachement bien ce truc-là. Et après, on aura du live tout à l'heure. Ne bougez pas. Restez avec nous. La soirée n'est pas finie. Et vous qui êtes dans le public devant nous, il y aura vos invités à gagner. C'est Pokora et Kenji qui vous offriront pour les NFC Music Awards de demain. What the match? Pas comme dirait Julie. C'est vraiment pas mal. What the match? Pour le match de l'OM ce week-end. En tout cas, on est pour l'OM. On est pour l'OM. Mais en ce qui concerne notre catégorie, on va dire que le meilleur gagne. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Exactement. Il n'y a pas de problème entre nous. Déjà, c'est bien d'être là, d'être nommé, de faire partie de ceux qui ont compté, d'avoir été soutenu par le public, d'avoir été amené jusque-là. Après, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, c'est vrai. L'important, c'est d'être ici et de partager le moment, comme il a dit. Sérieux. Merci beaucoup.
en fait c'est pas la guerre. Pour moi ? J'ai demandé si c'était pour moi, mais a priori. Tu en veux ? Quoi ? Comment tu t'appelles ? Allumette, ça sent le jeu. Quoi ? Catherine. Catherine. Tant qu'ils n'auront pas installé un monte-escalier électrique. La flemme, quoi. Koué, 19h, 22h, en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Excusez-nous, on peut discuter. C'est Bobby, là. Excusez-nous, cette émission. Samsung, le premier dessin simple. Parle de portable. Non, parce qu'on était en train de dire, on vient de faire un selfie que je vais vous mettre sur Twitter et tout avec. Avec Matt, et Matt est en train de me dire, mais ce qu'on se disait il y a deux jours, c'est qu'il a connu tous les modèles de téléphone. Et moi, c'est ça. C'est vrai, hein. Moi, quand j'ai commencé à 12 piges, j'avais même pas encore les caméras. Il n'y avait pas les appareils photo. Ouais, oh oui, oh, il n'y avait pas les caméras. Et tu te souviens les selfies, je t'en parle même pas. Et quand tu es dans la pierre, en fait. C'est le bonheur. Plus les années passent, plus on a de boulot dans la rue, en fait. Tu signais des papyrus à l'époque. Exactement. Avec une plume et tout. Quand le premier Sony Ericsson est sorti, on le cliquait comme ça, on avait la caméra, on était fiers. Infrarouge et tout. C'était bien, on était heureux. Bon, en attendant, Kenji et M'Pokora sont nos invités dans un instant. Live d'M'Pokora ici. Et ça veut dire qu'en même temps, à la fin du live, il choisira une personne qui va gagner deux passes pour aller faire un tour en Energy Music Award. Kenji en offrira encore deux. Après tout à l'heure, c'est toi qui choisiras encore deux personnes et on se fera un gros mix de fin tout à l'heure où okay. La meilleure ambiance et on choisira le ouais. Et on terminera là-dessus. C'est les derniers après, il n'y en a plus. Si, si, il y aura. Je crois que Guillaume en offrira encore après. Il y en a encore, il y en a et encore. Et Manu demain et matin. Et je crois aussi. Même Manu demain matin. Si, si, oui. On a encore un petit stock. D'accord. Et pas y a beaucoup. Même de la sécu qui essaiera de vous les vendre au black. Ouais. Et retrouvez-moi sur eBay puisque je vends ensuite. Arrête. Ça va, vous faites du blé. Je vends, j'en vendrai quelques-uns. Voilà. Non, c'est une vanne. Mon pseudo sera Coyote06. Et vous pouvez avoir confiance en moi. Bon, attention, le nouveau morceau ça, Kenji, ah oui, Mikemo, comment on dit Mikemo? Mikemo. Je ne l'aurais jamais entendu. Mais je ne le saurais jamais, Mikemo, j'arriverai jamais Mikemo, à le dire. Mikemo, yo. Mikemo, yo. Mikemo, je brûle pour toi. Ça, ah, ça s'appelle Je brûle pour toi. C'est Je brûle pour toi, en gros. Les amis. Mikemo. Ouais, c'est ça. Je m'aime bien, en fait. Voici le jeu. Je brûle. Du coup, je brûle. Voilà. What? Prenez une allumette. On va prendre une grande. Comme tu veux. Prenons une allumette. Regardez bien. Vous craquez l'allumette. Je vais vous poser une question. À partir du moment où je vous pose la question, vous craquez l'allumette. Je vous donne un exemple. Regardez bien. Combien mesure Sébastien Coé? Hop, je l'allume. 1m84. C'est moins. 1m83. Sauf que c'est toi qui tiendras l'allumette. Hein. Et alors donc imagine le mec dira par exemple 1m83, dira c'est moins. Et le feu continue d'avancer. Ouais. Moi je prendrais une petite. Jusqu'à ce que quelqu'un dise 1m80 et hu. D'accord. Tu fais 1m80? Oui. Je pensais que tu faisais plus. Ah, merci mon chéri. Bon, en attendant, t'as du talonnette en fait quand tu bosses. Pour la peine, on va prendre des petites allumettes parce que les grandes, ouais, ça peut durer deux heures. Attention, tiens, Piet, t'as bien fait de l'ouvrir, c'est toi qui commence. Pourquoi c'est possible? Parce que c'est toi. T'en fais une, ça me fait marrer. Vas-y. Attention, t'es prêt? Vas-y. Elle est facile celle-là. En quelle année l'homme a-t-il domestiqué le feu? En moins 24 000. Plus vieux. Plus vieux. Plus vieux. Moins 26 000. Plus vieux. Ouais, c'est à combien d'années près? Beaucoup plus vieux. Moins 200 000. Plus vieux. Moins 250 000. Moins 3 millions. 3 millions. Mais non, t'es pas dit, il y a 3 millions. 3 millions. Moins 400 000. Oui, moins 400 000. C'était chaud là. Juste avant. Allez, on a eu chaud là. Il y a eu un flip, les gens qui regardent. Monsieur Mokora, à vous. À toi, vas-y. Tu ne craques que quand j'ai fini ma question. Hein. Attends, il avait une grosse allumette. Non, non, il avait la même que toi. Regarde les enfoirés. C'est la même. Non, c'est la même. Donne-moi cette putain d'allumette et viens, on va voir. Je te jure, c'est la même. Oh, t'es dans une ambiance mauvais joueur, toi. Regarde. Théorie du complot, le gars. Alors,
Pourquoi? Parce que Koé, il avait une allumette de 43 cm. Le chef. C'est ça. On enlève les grandes allumettes. On enlève toujours. Tu sais. Attention, t'es prêt? Vas-y. En quelle année les allumettes ont-elles été inventées? En. Ouh. Penche un peu. En 1800. Penche un peu. Plus jeune. En 1850. Penche un peu. Penche. 1840. Plus vieux. 1820. Plus vieux. 1830. 1810. On commence à souffler dessus. Ça, non, c'est pas souffler. Il faut l'incliner vers le bas pour que la cloche un petit peu. T'as vu, j'ai 1810. Non, mais de toute façon, j'allais l'avoir, là, on est d'accord. Ouais, bah pour la peine, t'aurais une autre question. C'était 1805. Et penche un peu. Tiens, Kenji. Attends, on passe à Kenji. Non, c'est pas. Non, encore un pied. Tant que t'auras pas perdu un doigt, on continue. Ok. Alors, vas-y. Moi, ce que je veux, demain, je veux devoir chanter avec un pansement. Donc, votre truc, c'est le principe du juste prix. Allez, okay, attention. Vas-y. Les couleurs du feu varient selon la température. À quelle température le feu est-il bleu? Bleu? Regarde, elle brûle bleu, celle-là. 300 degrés? Plus. 500 degrés? Plus. 600 degrés? Plus. 900 degrés? Plus. 1000? Plus. 1200, 1500? Après, plus. Tu peux prendre 1005 pour répondre. Hein. Non, plus. 1008. Plus. 2000. Bon, non, moins. 1900 degrés. Ça pue. Plus. 1950. Attention, incliné. 1920. Mais elle est inclinée, je peux pas faire plus. C'était 1979. Ah ouais, mais faut trouver les amis avec des questions comme ça. Moi, les allumettes, je vais monter jusqu'à Kenji, à toi. Demain, ils vont tous chanter qu'à penser. Ça va être drôle. C'est drôle, oui. Celle de Pietre, elle a bien marché. Prêt. Alors, t'as vu la technique, hein. Un peu vers le bas et un peu loin de ta bouche, pour pas que. Ah bah oui. Combien de temps dure le clip d'Alicia Keys, Girls on Fire? Je parle de 2 minutes 30. Plus. 2 minutes 40. Plus. 3 minutes. Plus. 3 minutes 20. Plus. Elle brûle de ouf. 3 minutes 50. Plus. 3 minutes 60. 10. Moins. 3 minutes 60. T'as vu ce que t'as fait? T'as fait 3 minutes 60. Je pense que elle s'est éteinte parce qu'elle était sur ses doigts en fait, la flamme. Vas-y, continue, reprends. Laisse-la brûler où elle était. Laisse, voilà. Attends, laisse brûler. Voilà. Mes amis, je joue à la guitare reprends moi avec mes doigts. Reprends où on en était. Alors, on est bien. 3 minutes 50, c'est plus. 3 minutes 60. Moins. 3 minutes 65. Moins. Ça fait 4 minutes. Minutes de merde là. Sachant qu'une minute, c'est 3 minutes 60. En fait, on a une technique avant de prendre l'allumette, on met de l'eau, nous, juste au bout de nos doigts, tu vois. Ou alors, on s'est déjà brûlé, il y a une cloque avec de l'eau, je te jure. Ça m'énerve, il n'y a rien qui marche, ça m'énerve. Pendant qu'on est en train de latter le mec qui est en charge des allumettes, attends, vas-y, rebrûle encore. Laisse brûler. Sinon, c'était quoi, 2 minutes combien? On était à 3 minutes 60, ce qui n'existe pas. 3 minutes 90. 4 minutes 10. Non, combien? 2 minutes 60. Je pense. 3 minutes 50. Ouais, 3 minutes 52. Oui. Ah, juste avant la brûlure. Je rassure tout le monde, il peut jouer demain. Ça va. Il pourra jouer demain et tenir une guitare. On est tous d'accord. Monsieur Pokora, t'es avec moi. Je vous emmène devant le public. J'étais dans la cata, les amis. C'est clair. Viens. Je connais ma camarade de la maison de disque. Là, pendant 2 secondes, avec le coup des flammes, elle m'a dit je vais le buter. Elle avait une poutre dans la main. T'as vu la pêche qu'elle avait dans la main? En mode, je vais lui mettre une patate si jamais il lui brûle les doigts. Viens, Matt. Viens, on va aller faire un tour dehors. Ça, toujours! Ladies and gentlemen, let me introduce you to Boot Duke. Ouais, c'est ça, Let me introduce you. Ça va, mon pote? Salut tout le monde. Alors, t'as le choix où tu mets le casque. Où tu écoutes comme ça parce que les enceintes sont bien, les mecs du son, ils ont fait un super bon son. À mon avis, t'as pas à t'emmerder avec le casque. Salut. Je te le dis pour toi, tu peux même l'enlever, file-le-moi si ça te saoule. Je vais chanter après. Hein? C'est pour chanter. Tu préfères le casque? Ouais. Garde le casque. Tu fais ce que tu veux. Là, t'as un mec qui veut te faire plaisir pendant que tu chantes. C'est un cadeau, c'est une tradition maintenant. C'est ça. On se fait un titre en live ou pas? Et ensuite, mon pote. À la fin de la chanson, pendant ce temps-là, tu peux les regarder. À la fin de la chanson, tu me choisiras une personne qui aura 2 places pour aller demain au Energy Music Hall. Tu me choisiras celui que tu veux, la fille, le machin que tu veux. Ok? Ça marche. Faites du bruit pour M. Pokora en live de Cannes! Toi et moi, on voudrait bien voir. Ah, ah, la nuit s'emballer. Reste là, voir encore un soir. Ah, ah, la nuit s'emballer. J'aime ton sourire. Des heures qu'on passe juste là sans parler. Ah, toi, la nuit sans parler. Ah, toi, la nuit sans parler. Tu sembles planer là, comme le font les rêves. J'aime qu'on parle de moi, comme le font tes lèvres. Là, dans notre vie, ou trop peu, millions de langues.
quand à tes champs, elle me parle de projet. José, ne rougis pas, nous deux, c'est ça depuis le départ. Ne me laisse pas tout seul, attends là, il est tard. Et puis t'as trop bu ou trop peu, je sais qu'il faut pas que tu rentres. Puissons, 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 c'est déjà qu'on voudrait bien voir. Reste là, voir encore un soir. J'aime ton sourire, des heures qu'on passe juste là sans parler. À voir la nuit sans parler, à voir la nuit sans parler. C'est déjà qu'on voudrait bien voir. À voir la nuit sans parler. Reste là, voir encore un soir. À voir la nuit sans parler. J'aime ton sourire, des heures qu'on passe juste là sans parler. À voir la nuit sans parler. À voir la nuit sans parler. On pourrait rester là. Tant que passent les jours, toi qui parles bas, moi qui parle tout. Là t'en as trop dit ou trop peu, je suis libre, pas tu rentres. Puisqu'on, 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 c'est déjà que je parle. T'as pour prendre l'air un peu, ne rougis pas, elle voudrait bien refaire un peu. Et puis t'as trop dit ou trop peu, dis-moi la langue. Reste là, voir encore un soir. J'aime ton sourire, des heures qu'on passe juste là sans parler. À voir la nuit sans parler. À voir la nuit sans parler. C'est déjà qu'on voudrait bien voir. La nuit sans parler. Reste là, voir encore un soir. À voir la nuit sans parler. J'aime ton sourire, des heures qu'on passe juste là sans parler. À voir la nuit sans parler. À voilà, amis sans balai. Il y a toujours tout le monde ici. Est-ce qu'il y en a qui mettent des places pour les nanas demain? Ok, ok, on va régler ça. Ah bon, je vais tous vous entendre chanter avec moi. Je vais voir toutes les mains en l'air. Ok. Tout le monde. On sait déjà qu'on voudrait bien voir. La nuit sans balai. Reste là, voir encore un soir. La nuit sans balai. J'aime ton sourire.
avec Koé. Coco, s'il te plaît, je vais t'interviewer. Petit instant, on attend. Donc là, il y a Alexandra Bouchou, programmatrice d'énergie. Que penses-tu de la soirée? Bah, on s'éclate, non? C'est la très belle soirée pour les Energy Music Awards. Génial. Hop, je suis en direct maintenant avec Julie qui passe une très très belle soirée sur Dailymotion. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Bonsoir à tous. La fanbase. Julie. J'ai pas le temps, je suis désolée. La team Vénère. On va faire un petit tour du côté de Bérénice. Bérénice du Standard qui accueille vos appels. À quel numéro? Bah là, il n'y a pas de numéro, c'est moi qui appelle en fait. Super, merci, merci Bérénice pour cette information. Hop, et un petit mot de Jérémy. Comment se passe ta soirée? Coucou tout le monde. Ça va? Ah, eh mec, c'est un bijou ce que j'ai, regardez. Regarde, c'est trop beau. D'ailleurs, t'avais une demande à faire. À qui? Pour la console? Je veux la même à Paris. Si le patron, tu nous écoutes, je veux la même à Paris. J'adore. La demande est faite. On retourne du côté de Guéguette. Guéguette, comment se passe pour toi cette soirée des Energy Music Awards? Je viens de poster une photo avec Kenji et Pokora. Et là, je vise le milliard de retweets. Sur quels réseaux sociaux? Social. Sociaux. Social ou social? Réseau social, on dit. Sur Twitter. Ouais, mais c'est le plus important. Twitter, c'est quoi ton Twitter, Guéguette? Twitter, c'est @GuéguetteOff. Allez, allez, allez le suivre. Suivez-moi aussi sur Snapchat, @GuéguetteOff. Speak racoleur. Ah, pour moi, du côté de Koé qui anime cette émission avec talent depuis le début de la soirée. Coco, comment tu te sens? Écoutez, très très bien. Pourquoi tu as ce micro et pourquoi tu tiens le. Tu monopolises le tout ça là? On m'a demandé de t'interviewer. Ah, viens, on reprend. And now, ladies and gentlemen, Koé, en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Suivez-nous en live sur Energy, suivez-nous en live sur Twitter. Sur notre application Koé, vous la téléchargez, on vous met plein de vidéos et plein de photos. J'ai mis une petite vidéo de M. Pokora qui chante, j'ai mis des photos là et tout, vous nous suivez, c'est un kiff. Continuez d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitter, sur Facebook et tout, allez-y, ça nous fait plaisir, vous êtes là. Et vous suivez l'événement ce soir ici en live de Cannes. Demain les Energy Music Awards, on est avec M. Pokora et Kenji, je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit. Et ils sont nombreux dehors, hein. Ça va être un truc de ouf. Alors, ce qu'on va faire, c'est que monsieur Pokora, vous deviez offrir deux places. Oui, bah j'ai toujours l'intention d'offrir deux places. Alors, on va attendre un petit peu. Parce que vous n'êtes pas encore parti. Non, je suis encore là. Voilà, donc pour l'instant, par contre, il y en a d'autres qui ont d'autres occupations. Oui. Par exemple, Kenji, si toi maintenant, t'allais offrir deux places dans le public pour les Energy Music Awards de demain. Ah oui, pourquoi pas. Et on n'arrête pas de demander si tu les achètes 15 euros. Ça marche ou pas? Mais ça va pas ou non. Quoi? Mais si, tu peux te remettre. Mais ça, c'est 15 euros, gars. Après, moi, je les revends derrière. 20. Ça sera entre nous. Allez, viens avec moi. Viens avec moi, on va sortir. On va faire un petit tour dehors. On va donner un micro à Kenji. Ah, tiens, ton micro, c'est cool. Viens voir. Alors. Ah ouais. Je suis venu tout à l'heure déjà, là il y a plus de monde. Hein. Ah ouais, je crois qu'il y a beaucoup. Là il y a beaucoup de monde. Je voudrais qu'on ait une pensée pour les voisins. Ouais, oui, surtout. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a de. Dire, les voisins. Parce que Cannes c'est plus calme en théorie. Hein. Ouais, mais on s'en fout, on est bien avec le maire. Est-ce que. attendez. Ah voilà, on n'entend plus rien. Ensuite, le professeur vient d'entrer, on fait silence. Alors attendez. Mais. Hop. On n'y arrivera pas, Coco, je pense. Et si, avant d'offrir les places. Tu faisais genre un petit bout de refrain, un petit bout de chanson pour faire plaisir à ceux qui sont là. Un petit bout de refrain? Voilà un petit bout de refrain, les amis? Vas-y, je te laisse. Ah, chante avec moi alors. Uno, dos, un, dos, tres. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo. Con mi sonido te caliento. Y sube la calor. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Y sube la calor. Vamos ya. Merci les amis. Ramayad. Bon, non, c'est pas Ramayad hein, qui ah, fait. Ah, c'est pas ça qui. Si, Ramayad aussi, t'aurais pu. Non, mais pas Ramayad, il pense à la femme politique, lui. Bon, vas-y, maintenant tu choisis quelqu'un. Alors, je t'aide. La demoiselle là-bas l'a déjà gagné tout à l'heure. Il y a une petite fille qui a gagné dans ce coin-là. Là, ils n'ont rien eu, mais tu choisis qui tu veux. C'est vrai? Ouais, c'est toi. Tu peux t'approcher, tu choisis. Ok, d'accord. T'inquiète. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu gueuler comme ça. Ouais, moi aussi c'est vrai. Hein. Je viens de me rendre compte que ma braguette est ouverte. Je vais choisir la mademoiselle ici, qu'elle vient d'Alsace. Laquelle? Ah là. La brute est en train de crier. Viens avec moi. Hop, tac. Viens avec moi. Et à chaque fois, alors, ça met un silence derrière. Alors, ouais, un truc de ouf. C'est celle qui avait venu tout droit d'Alsace pour assister au NMA. Notre rêve peut-il se réaliser? Anaïs et Élodie. Qui est Anaïs? Qui est Élodie?
C'est moi, Anaïs. Elodie. Les filles, présente Kenji. Voilà, les filles. Calmez-vous, les filles, calmez-vous. Non, pourquoi, moi, quand je dis voilà, j'arrive, elle va en appuyer, je vais voir Kenji. Pourquoi? C'est très agaçant, ça. Les filles, demain, vous serez au Energy Music Award. Ah là, elles vont crier, tu les reconnaîtras. Elles seront là. Ah, en plus, vous voulez une photo? Allez-y, je vais la faire. Allez-y, attendez, je vais tout faire. Tu donnes beaucoup et au final. T'as vu un peu, tu donnes et je t'en rajoute et machin. Voilà, est-ce qu'on peut faire une photo? Voilà. Elles ont raison. Elles ouais, mais demain ça m'arrange pas parce que je dois aller chez l'esthéticien. Ah oui, c'est ça. Tu gagnes deux places pour l'ENEMA. Ah bah non, je peux pas. Viens avec moi, Kenji. Viens avec moi, mon pote. Viens allez, avec vas-y, moi. On y va. Allez, viens. Il y aura encore des places à gagner dans un instant pour l'Energy Music Award. C'est monsieur Pokora qui les offrira. Ce qu'il y tient, il en a deux, il veut les offrir. Il y tient absolument. Allez, là, tu veux les offrir tes places. Tu vas les offrir. Bien pendant sûr, ce temps-là. Vous faites tous du bruit dans le public pour Kenji qui nous quitte, en tout cas, puisqu'il a des plein de trucs à faire. Rentre bien, gros merde. On se recroise demain dans les coulisses, de toute façon. Oui, on se voit demain. Voilà. Ouais, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas croiser Piette. Des fois, tu ne reconnaîtras pas. Hein. Ouais. On se croise demain. Tu seras en fonction ou pas. À bientôt, mon pote. Oh, dis donc, Julie. Eh oh, la main sur la cuisse. Et Julie, ce soir. Julie, ce soir, elle est en mode je te prends le maire et je te prends Kenji. Ça va pas, les gars, ou pas? Ouais, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il nous reste. Monsieur Pokora, alors que dans un instant. Je suis là. Est-ce que tu connais la demoiselle qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes? Ah, tout de suite, maman. Oui, j'adore. À tout de suite? Ouais, oui. Elle est là. Elle est là tout de suite. Attends, par contre, j'ai pas trouvé sa musique. Bon, elle est où? Ah. Elle arrive toute timide. T'as vu? Viens? Oui, viens. Assis-toi. Le public de Cannes, je vous demande d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Toute seule, mais Christine and the Queen! Ça va? Ah oui, c'est le côté Queen. C'est le côté. T'as vu un petit peu? Non, c'est pas le salut royal. Non, toi, tu dis bonjour comme il n'y a plus de canettes dans le frigo. Non, c'est en mode. La main bien plate. La main bien plate, très élégante. Comment ça va? Très bien. J'arrive des États-Unis. C'est une phrase très snobadière. C'est énorme. Straight from the States. T'as chanté là-bas? J'ai fait une tournée là-bas en fait. Ouais, mais j'ai vu un reportage sur toi. Et toi, ça sent la carrière à la Stromae. Oui. Ça serait bien. Ça sent le délire de la cette française, la classe française. Ouais, particulière sur scène, parce qu'ils aiment bien ça, les Américains. Stromae, non mais c'est pas une blague. Oui, c'est vrai. Lui, en tout cas, Stromae, il a une réputation incroyable. Parce que sur scène, il se passe quelque chose, et je pense qu'avec toi, il se passe aussi quelque chose, et ils doivent se dire, hey, we love. We like French people. I love it. Ils sont comment, les Américains, alors, comme public? Ils sont très enthousiastes. C'est pas le même état d'esprit que l'Europe. Hein. Ils sont très... Ça, c'est très it's amazing. Donc, ouais. Ils sont très accueillants, positifs, souriants. Yeah, so cute. I love it. Souris parfois tellement que je me dis que je sais pas comment ils font pour pas avoir de crampes. Enfin, moi, j'ai un côté. Mais ils ont européen, plein de dents aussi, les Américains. Ils s'en rajoutent. Ils ont les dents très blanches. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ils en ont 64 ans. Ouais, ils ont des trucs de remplacement. C'est que des serroutis là-bas. C'est cool. Bon, en attendant, alors je vais te présenter quelqu'un que tu ne connais pas. Toi, tu connais notre ami qui est là, qui n'a pas encore dit bonjour. Là, oui. Matt. Mais toi, tu connais parce que c'est sa 74e édition, Matt. C'est ma 12e édition d'Energy World déjà. Ouais, alors que toi, tu ne connais pas ce monsieur, là, qui est en face de toi. Elle va vite reconnaître. Ce monsieur va te dire un petit bonjour. Je ne connais pas. Écoute cette voix. Il va te faire un effet de ouf. Dis-lui Christine and the Queen avec ta grosse voix. Christine and the Queens. Génial. Mais c'est la voix de Batman aussi, vous. Oui, c'est la voix de Batman de mon enfance. Ouais, c'est ça. C'est exactement. C'est incroyable. C'est Indiana Jones, c'est Buzz l'éclair. Un petit vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. C'est ouf. C'est quand même pour dire bonsoir aux éditeurs d'énergie et bonsoir Cannes. Tu sais que j'espère que si Oli tu dis vers l'infini et au-delà, tu tiens tes promesses, mon pote. Parce que moi, je vais te dire, je serai ta femme vers l'infini. Je les tiens. Mais je te le souhaite. Vers l'infini et au-delà, c'est tout. Bon, en tout cas, chaque année, il vient nous voir. Alors tout à l'heure, on aura notre cérémonie à nous parce qu'il y a un truc qui nous amuse beaucoup. Chaque année, on fait le before et chaque année, on remet des catégories qui n'existent pas. Oui. Donc, on le fera un peu plus tard. Parce qu'on se fait engueuler derrière, mais bon. Oui, parce qu'après, on vient nous voir, on dit bah bravo, hein, bah, bravo. Donc, on le fait généralement vers la fin parce qu'on est près de la sortie, on n'a plus qu'à partir. C'est ça. Et après, on coupe nos téléphones. Mais en attendant, on s'est dit que pour toi, Matt, comme t'en as. Combien t'en as d'Energy Music Award chez toi, franchement? 11. Ah ouais. C'est ouf. Et toi? Moi, zéro. C'est la première fois que je viens. Elle est nominée dans deux catégories en plus cette année. Alors, quelle catégorie, Julie? Alors, il y a la catégorie artiste féminine française de l'année, avec Cœur de Pirate, Indila et Shaim en face.
C'est marrant comme quand Richard le dit, on l'écoute, toi, on t'écoute. Ouais, pas. On s'en fout. Mais il y a que toi qui l'écoute pas, je te signale, tout le monde l'écoutait. Hein, oui, j'ai vraiment fait chiant. Merci, merci. Et la... la catégorie chanson française de l'année aux côtés de Kenji, Louane, Marina Kaye, Maître Gims, on l'a dit tout à l'heure. La deuxième c'est chaud, être... hein. Catégorie. Ah bah moi, je me sens comme un outsider. Hein. Tu veux très que contente dise de l'être. Hein, mais... Tu veux que je te dise? Oui. Eh, hey, bête clic, je mise. Catégorie artiste féminine française de l'année, bim. Ah ouais. Toi. Oula. On prend les paris. Quand le chef, alors. Il prend. Attends, non, non, attention, et il porte la chkoumoune. Ouais, non, mais vu comment il est radin, quand il commence à mettre de la thune sur quelque chose, c'est qu'il y croit. Probabilité, quand, c'est ça. Quand le picard, il mise l'oseille. C'est ça. J'ai pas misé beaucoup. Hein, le picard, quand le picard, il y va. Quand le picard, il met du podium, il y va. Attention, hein. Par contre, si tu l'as pas, je te dis, c'est encore bien. Je te pourris ton téléphone, je te dis directement. Hein. J'espère bon. Que ça va me porter chance. Mais tu verras d'accord. Ce que tu dis. Note-le dans ta coin, tu vois. Okay. En attendant, à chaque fois que je dis ça, les gens disent il a les résultats. S'il le dit, alors non, c'est truqué. Non, on les a pas. T'as du bon sens, nous on a du faire. Ah, ouais. J'ai un ami qui réalise cette émission qui est. Ah, il y a le bon sens populaire. La presse. Je le sens bien aussi, c'est pas mal. Une dit là. Non. Bon. Non. Après, il y a Shaim quand même, les gars. Oui, mais Shaim, elle en a eu. Mais là, je dirais. C'est vrai. Des fois, il faut accepter. La tendance, ouais. Je suis d'accord. Ah, ouais, bah, vous verrez. Bon, en attendant, comme toi, t'en as déjà eu 11 et que tu nous énerves avec toute énergie Music Award, monsieur Pokora, il en reste. On s'est dit qu'il fallait te nous mettre dans d'autres catégories, dans d'autres cérémonies. On n'est même plus dans l'énergie Music Award, on t'a construit d'autres cérémonies. Ça te va? Ok, vas-y. Alors, attention. Spécial pour toi. Ah! Avec la vraie annonce officielle. Richard, à toi. Pour les Energy du Football Award, les nominés sont Zlatan Ibrahimovic. Ah, chaud. Ouais. Cristiano Ronaldo. Ah, quand même. Ah. Matt Pokora. Et le gagnant est Matt Pokora. Ah Peut-être un mot Écoute, je remercie mes coéquipiers sans qui ce trophée n'aurait pas pu voir le jour. Et je suis super touché. Ça récompense une très belle saison. Merci, on a remporté beaucoup de titres avec mes merci coéquipiers. Et merci à Karim Benzema pour les images. C'était pas abusé. Il faut que tu passes le mot abnégation. Il peut pas s'en empêcher, hein, il y a problème. Moi, je les connais tous, donc je relèverai rien, tu m'auras pas ce soir. Merci beaucoup. Ça n'est pas fini. C'est pas fini. Voici une autre cérémonie, Richard. Pour les Energy Pneu Awards, les nominés sont, là c'est chaud, Pneu Ayrton Senna, ouf. Paul Walker, ouh là, il y a du lourd, Matt Pokora. Et le gagnant est. Tu l'as pas, mon pote. Et ben là, le. Ah, et le gagnant est. Bah, le seul qui va venir récupérer, quoi. Matt Pokora. Tu repars avec ton pneu. Autour du cou. C'est un vrai pneu. Hein. Voilà, c'est. Alors une déclaration. Fais gaffe, il est pas sec. Pas mal, mon accessoire pile, pour le tapis rouge demain. C'est bien, ça se range pas. Je remercie tout mon team. Tous les mécanos qui ont bossé d'arrache-pied depuis le début de la saison pour me préparer une voiture digne de ce nom. Et la voiture, Richard. Mais c'est pas fini. Il y en a un dernier, celui-là. Oh là là. Celui-là, c'est grâce à nous. Attention. Pour les Energy Poisson Awards, les nominés sont... Poisson. Captain Igloo. Hey. Petit Coraya. Ah, ouais. Ah, lourd. Matt Pokora. Ah, suspense. Et le gagnant est... Matt Pokora. Oh, ouais. Il est vivant. C'est un vrai. Oui, c'est un vrai. Il pue. Je m'en ai cassé la gueule. Ah, mais en plus, il y a de l'huile là sur votre poisson. Ouais, il est doré, hein. Eh bien. Non. Eh bien, il est pour vous. C'est un dorade royale. Une dorade. Matt. Putain, c'est dégueulasse. Matt, dans le pneu. Un mot quand même. Matt. Un mot avec le trophée. On t'amène de la tête. On va t'en amener. Matt, quand je te dis il y a deux minutes, putain, c'est un vrai. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette phrase? Je croyais que tu faisais semblant. Je pensais que tu disais de la merde. Mais c'était un vrai. Mais non, c'est un vrai. Mais il pue pour de vrai. Il schlingue parce que je pense qu'il a été repeint il y a 4 jours. Avec l'odeur et tout. Là, il fallait que tant que ça sèche. C'était ça ou l'odeur. Donc...
J'ai le choix. Hein. Je... Ah oui, bah là au moins t'es tranquille. Ah ben bah, vous avez vu. Il faut tout ramener à la maison. Moi, dans la valise, c'est pas gagné. Moi, tu mets le poisson dans le pneu. Voilà. Moi, je fais tomber un peu de café sur mon jean. Je veux aller me l'essorer. Lui, il a un bout de poisson sur le doigt. On lui amène 90 produits esthétiques. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Major Lazer. Major Lazer sur Énergie. On reviendra dans un instant. Bravo en tout cas pour toutes ces 4 des voix. Merci beaucoup. Vous allez chanter. On fait un titre en live après Christine and the Queen. Oui, bien sûr. Ah, très bien. Ça va me faire plaisir. Et Major Lazer tout de suite sur Énergie. Solitude, moment de solitude. On va voir si ça crie dehors. Normalement, quand on ouvre la porte, ça crie. Ça marche, ça marche. Non, on va pas pousser jusque là. Pietre, tu prends le relais? Je crois qu'il se passe un truc là-bas avec la voix off, la vraie voix d'énergie de Matt Pokora, parce que tout le monde est fan, mais on va le voir. Ah, désolé, on y va. Donc on se revoit tout à l'heure. Si vous les cherchez demain matin, Coé sera à la terrasse du Martinez en train de boire un thé vert et Pietre en train de cuver dans le caniveau aux abords du Palm Beach. Coé, 19h-22h, en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Je voudrais vous dire que tout ce que vous avez entendu dans ce jingle est intégralement vrai. Il y a des chances. C'est-à-dire que demain, il y a des chances que ce soit en mode pour, sobre pour moi et pour Pietre en mode quelle heure il est. C'est un régal pour moi de faire ces jingles. C'est vrai. Je les adore. Ah ouais, quel talent en plus les autres. Ah, et attends parce que tu vas te donner tout à l'heure les autres, les nouvelles catégories qui n'existeront pas demain soir. Et ça tu vas kiffer. On se fera le live de Christine and the Queen. Après on se fera notre catégorie, on se fera un petit mix. Et après ce sera Guillaume qui prendra la suite. Et nous on va manger carrément. Bah ouais, il y a encore deux fois de place à gagner ce soir. Après il y en aura d'autres à gagner dans la soirée. C'est M. Pokora qui en offrira dans un instant. Oui. Et après moi, pour ceux qui bougent le plus pendant le mix, c'est vous qui choisirez l'équipe. Qu'est-ce que vous parliez hors antenne là? Tu lui demandais de te faire quoi avec Richard? Non, je on s'est fait une petite vidéo où il a chanté comment le génie, le génie de Sali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Voilà. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. C'est ouf, à chaque fois ça marche.
pas content. Ouais, c'est incroyable. Ouais, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Christine, hello. So you're Christine and the Queen are coming back from. From the United States, yes. Where the new career and the incredible show, the French people are amazing. It's like, oh my God, it's like jet lag and like, wow. Yeah. T'étais où aux États-Unis? Quelle est la ville qui t'a fait le, qui t'a le plus éclaté? Alors, je crois que j'ai fait genre 15 villes en 15 jours. Excuse-moi, je vais faire preuve d'autorité. Ah, dans le public, ah ouais, vous fermez vos gueules ou je m'occupe de vous? Merci beaucoup. Elle est vive. C'est dissipé. Non, pas vous. Non, dehors, vous êtes fantastique. Je m'adresse aux vives. Alors, fermez vos gueules. Merci beaucoup. Voilà, excuse-moi. Non, je t'en prie. Sinon, vous allez voir, quand je m'énerve, c'est amazing. Alors, c'est sympa, c'était l'équipe de Guillaume qui arrive derrière. Oui, mais en silence. C'est comme tout le monde. Allez, moi, je dirais San Francisco. Hein? Ah, comme ville très agréable. San Francisco. New York aussi, forcément. T'as chanté à New York? Alors, je vais chanter à New York. En fait, je fais la cérémonie, je reprends l'avion et je vais chanter. Non, ouais. Voilà. Là, c'est top. Tu vas chanter où? Au Webster Hall. Oh là, je sais pas. Rien que ça, ça a l'air génial. Aux États-Unis, t'es t'as des trucs, tu sais pas ce que c'est, tu dis Western Front for. Ça fait bien. Ouais. Nous, maintenant, ça s'appelle l'Hôtel Accor Arena. Ouais. Truc, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Le, c'est ouais, vrai, Bercy, avant, tu faisais Bercy, t'étais content. Maintenant, l'Hôtel Accor Arena. Il y a deux mois, je disais, je vais faire Bercy 11-12, et là, maintenant, c'est je vais faire l'Hôtel Accor Arena. Ça fait pas la même idée de ta carrière, quoi. Quelle chambre? Ça. En 623, on se retrouve tous. Alors, je crois qu'il faut dire les choses. Les mecs ont, parce que c'est sponsorisé, les mecs qui ont acheté Bercy, visiblement, ils ont choisi, je pense, le nom le plus pourri qu'on puisse dire. Ouais, c'est vrai que c'est pas top. Hein. Non, mais c'est trop long. C'est trop long. Ils sont obligés de mettre leur nom. Alors, il sera en concert à l'Hôtel Accor Arena. Heureusement que c'est pas une marque de PQ qui a racheté Bercy, sinon. Ouais, toi aussi. À Lotus, double feuille. Double feuille. C'est vrai que c'est une tanasse. Et imaginez les Américains qui disaient bonjour Bercy, qui maintenant diront bonjour l'Hôtel Accor Arena. Chambre 623. Petit déjeuner supplément. Ça va être compliqué, les mecs, il est encore temps de... Si la peinture est pas fraîche, il est encore fraîche, il est encore temps de changer le nom. Qu'est-ce qu'on fait avec oh, j'ai envie de... On fait quoi, un chifouni? Un chifoufli. Un chifoufli. C'est quoi? Explique-moi, Pietre, travaille un peu. Je m'en souviens plus. Le chifoufli, c'est en fait, vous allez faire un selfie. Chifoumi. D'accord. Sauf que vous jouez à chifoumi pour savoir qui sera dégueulasse sur la photo. Ah oui, voilà. En gros. Alors moi, ça me pose aucun problème de me dévouer, hein. Oui, mais il y a plusieurs c'est pas le jeu. Voilà. Tu connais le principe de chifoumi? Tu fais quoi? Feuille, ciseaux. C'est bien, ciseaux. Feuille, ciseaux. Et tac. Alors donc, on est d'accord. Ciseaux, oui. Coupe la feuille. Ouais. La pierre, la feuille enveloppée par la feuille. La pierre contre le ciseau, c'est perdu. On fait pas le puits. Ouais, c'est la pierre casse le ciseau. D'accord. On fait le puits. Le puits, la pierre tombe dans le puits. Pierre, feuille, ciseaux. Et la feuille coupe le puits. Attends, tu vas chanter à New York. Pierre, feuille, ciseaux alors. Si ça te fait kiffer, je fais le puits. The puits. Tu veux le puits? Pierre, feuille, ciseaux. Yes. Alors, attention, on joue pour quoi alors? Bah, c'est toi dans ta liste. Moi, j'ai plus la liste là. Et qui joue là? Qui joue contre qui? Koé contre toi. Ah oui, j'adore. Les accessoires. Bah, ah oui, d'accord. Ah si, j'adore. Si, c'est très bien. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs thèmes. On joue. Mais on cumule sur le selfie ou c'est un selfie à chaque fois? À chaque fois, comme tu veux. Tu veux à chaque fois si tu veux. On joue pour une perruque. D'accord, très bien. Celui qui perd. Il, non mais on a compris, c'est bon. Il poste un selfie avec la perruque. Non mais il répète. D'accord. Pour moi, parce que d'habitude c'est moi qui suis très con et qui comprends pas. C'est ça. We need translation. Merde. Et commentez. Ouh là là, on a sorti deux ciseaux. Pierre, ciseaux. Ouh là, c'est pas possible. Double feuille. Deuxième match nul. Ah, Pierre, ciseaux. Oh, troisième match nul. La connexion. Attention, mort subite. Oh, c'est la perruque, on fera la photo après. Pour l'instant, tu as la perruque. Ah, bah d'accord. On joue dur, maintenant ça. Pour les dents de lapin. Ah, c'est dur, ça. Ah, c'est mes préférés, ça, mince. Ouais. Pierre, ciseaux. Ex aequo, feuille. Pierre, ciseaux. Ciseaux. Pierre, ciseaux. Oh, tu tombes dans le. Ah non, ça bûche le puits. C'est moi. Les dents de lapin, c'est pour toi. Ok, on joue pour. Vous allez avoir l'air con, les amis. Ouais. Avec la moustache. Celui-là, il est dur. Très beau. Dans très dans pas loin du mur. Attention. Pierre, ciseaux. C'est pour toi, Christine. Et j'en fais deux, je peux pas cumuler la perruque et le nez. Et on finit par les lunettes sourcils. Attention. Pierre, ciseaux. Alors, est-ce que vous pensez que j'avais un Oscar? C'est qu'on va pas te reconnaître. Hein. Ouais, c'est le... Allez, viens, habite bon, alors, attention, chifoufli. On va le faire. Faites-le tous les deux pour le coup en même temps. Comment? Vous faites tous les deux, faites-vous un chifoufli tous les deux. Bien sûr. Et vous postez tous les deux par contre. Bien sûr. Ah, t'as l'air con avec les pieds, avec les dents de lapin, toi. Je peux pas parler par contre. Et on se fait la photo et je la publie directement derrière. Ça lui va bien, je trouve. Comment ça lui va bien? Moi, je trouve que ça me suit. Viens ici, viens derrière moi. Attention. Et dans un instant, on sortira. On a un petit peu de pub, très court. On sortira avec le live de Christine and the Queen qui aura enlevé sa perruque et son nez. On
On aura Monsieur Pokora qui offrira juste avant le live de Christine and the Queen deux places dans le public pour l'Energy Music Awards. Et après, on se fait les Energy Music Awards parce que ceux de cette année sont fantastiques. Oui. Tu vas les entendre. C'est des catégories que tu n'entendras jamais. Ah, et on finira par le mix très court. Et après, ce sera Guillaume le temps qu'il s'installe avec tout le monde. C'est la réédition de l'album de qui? Oui, ça sort aujourd'hui. Bah, de Christine. Mais je ne savais pas. Bah oui, mais je te le dis. C'est la réédition from New York. Attends, yes. Alors attention, à partir de maintenant, Cohen ne peut plus parler parce qu'il a les dents de lapin. Essaye de parler avec. Essaye. Une bonne tête de vainqueur. Et ça, c'est un selfie à 15 000. Hein. Ouais. Like. Il faut du retweet là. On y arrive. Il faut du retweet. Vous allez retweeter. Dans deux minutes, on sort directement des quelques pubs que vous entendez par le titre de Christine and the Queen en live. Et puis avant, Pokora offrira les places. Ou après, je vais voir. J'ai le temps de la pub pour voir. Music Awards. Est-ce que vous avez toujours envie d'avoir vos places pour les Energy Music Awards? Il y en a encore deux à gagner. Dans un instant, il y en aura deux offertes par M. Pokora. Je vous en offrirai deux aussi d'ici quelques minutes. Je vous présente la demoiselle qui sera donc à New York dans les jours qui viennent. Je te dis, je le sens bien moi pour demain, tu vois. Comment? Je t'entends pas. En fait, le monsieur disait qu'il le sent bien pour demain. Ah oui, c'est que c'est gentil ça. D'accord, et si on se disait qu'on faisait un titre en live, on le fait lequel? Je te serre la main, t'as vu? On fait Christine, Coco. Comment? On fait Christine. Oui, d'accord, c'est ce que je ne savais pas lequel des deux on faisait. Ah, d'accord. Okay. D'accord, vous ne m'interrompez plus pendant que je suis sur scène. Mais non, je t'aidais, tu savais pas. Merci. Je vous demande de faire énormément de bruit. Voici en live pour vous, cadeau Christine and the Queen. Christine and the Queen, live. Ah, j'adore. From Cannes. Ah, bien, c'est bon. J'ai pas envie d'être la seule à danser, donc si tu veux danser avec moi, bien sûr. Hey, hey. J'ai le manteau haut pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. J'y reviens, battle avec lui maintenant. Tu fais semblant d'avoir tout compris.
y a un type qui pleure de mort. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Nous et la main dans les deux sens. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur les bras coupés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épi et clic. Ces enfants bizarres. Dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une cripichon grand étendard qui fait. J'ai tout mon bicorne au mercurochrome contre les popes qui m'assurent le trône. Il y en a une qui danse bien et un autre à côté qui danse comme une merde. Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est pas grave, je le prends pour moi, je le prends pour moi. Faites beaucoup de bruit pour Christine and the Queen. Bonne chance pour demain. T'embrasse, à bientôt. Bonne soirée. Good luck. Faites venir Monsieur Pokora. Monsieur Pokora, vous êtes demandé, s'il vous plaît. Je vous explique ce qui va se passer. Monsieur Pokora vous offre deux places. Ensuite, on se fait la cérémonie à nous. Ensuite, on vous fait un petit mix pour voir qui retourne tout pour offrir encore deux places. Et ensuite, c'est Guillaume qui prend la suite. Il y aura Black M. Et aussi un Pokora. Mon pote, tu me choisis une personne qui va aller demain. Ah ouais, bah oui, pas tout le monde. Une, deux places. Elle a deux places, mais elle est toute seule. Je te laisse choisir. Comme tu peux le voir, c'est le bordel. C'est compliqué. Hein. Et quand tu vas choisir, tu vas voir, c'est magique, ça va s'arrêter net. C'est très difficile de choisir. Alors autant tout à l'heure, ça gueulait pour Kenji, bah là, ça gueule aussi. Amstram, drame, c'est toi qui partiras demain soir au Energy Awards. Ah vas-y, amène ton... Ah, vas-y, lequel, c'est qui? Il a dit. C'est dans ce coin-là, donc on a le choix maintenant entre Please Tickets, Believers, Sapé comme jamais pour monter les marches demain, c'est ok, il manque juste les places. La pancarte, ça marche bien à chaque fois. Alors, notre histoire ne fait que commencer... Alors lequel? Ah non, elle était maline, elle a mis plein de photos de moi. Bah elle te fait la gagner mon pote. Vas-y, viens devant elle, attention la marche. Vas-y, y a pas de souci, tu l'as fait gagner, ça va lui faire plaisir, elle aura eu raison de mettre des photos de toi. Comment tu t'appelles? Émilie. Ça va Émilie? Oui. T'habites où Émilie? Il y en a une derrière. Ouais, c'est sérieux, celle qui a gagné. Vas-y, pas juste coller des photos, c'est tout. Ma chérie, tu as été choisie par Monsieur Pokora, tu vas demain au Energy Music Awards. Et personne te soutient parce qu'ils en ont rien à branler de gagner, ils sont énervés. Et dans un instant, je vous offrirai encore deux places. T'as vu cette pression quand tu dis t'as gagné, tout le monde s'en fout. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Alors dans un instant, il y a encore deux places à gagner, puis il y en aura d'autres ce soir avec Guillaume qui vous en offrira tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est le moment que moi j'aime. C'est le moment. Ce sont nos Energy Music Awards à nous. Ça y est, il chauffe. Ah, je me chauffe. Assieds-toi, Matt. Mais c'est ce micro-là. Matt, bon. Je tiens quand même à te dire, on ne sait jamais. Tu es peut-être dedans. Ouais, c'est vrai. Vaut mieux pas. Je préfère pas. Mais si t'as de l'humour, je peux choisir. Tu peux te retrouver dedans. On sait jamais. Je sais pas. Hein. On y va. Voici les Koé Music Awards en live sur Energy, sur Dailymotion et partout. C'est parti. Dans la catégorie, bizarrement, je suis vachement plus sympa quand je vends moins de disques. Les nominés sont. On va attaquer par celle-là. Chime. Jennifer.
Sunshine. Il n'y a pas de gagnant, hein. Il n'y a pas de gagnant, c'est juste comme ça. T'as le droit d'être consterné, mec, t'as le droit. Deuxième catégorie. Dans la catégorie escroquerie à 500 000 de l'heure, Robin Schulz, Martin Garrix, Avicii. Les trois gagnent, on est dans les prix. Troisième, Richard. Dans la catégorie agrandissez la porte, commence à choper le boulard. Oh. Marina Kaye, Willie Williams. Oh non. Frérot de la Vega. Oh, c'est dur. Richard, Richard, enfin. Mais c'est pas moi. C'est une plaisanterie. On continue. Dans la catégorie j'écris mes chansons en CM2 et je viens de les ressortir. Les nominés sont. Il est pas bien, Matt. Makassi. Metro Games. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Les trois mousquetaires. Un peu. Beaucoup. Il n'y a pas de gagnant non plus. Ou non. On continue. Dans la catégorie Mettez ou pas là, mettez pas là. Les nominés sont Amel Bent, Tal. Barbara Hobsommer. Oh, elle c'est qui Barbara Hobsommer, ah oui, en plus. On continue, Richard. Vous faites vos, jeux, vos classements et vos gagnants chez vous. C'est l'énergie musicale. Vous pouvez voter. Dans la catégorie comme quoi être beau gosse, ça sauve pas tout. Ah. David Carrera. Baptiste Giavicomi. Ah oui, merde. Bastien Becker. Demain, mon téléphone, il va sonner. Je le coupe. Ah ouais. On continue. Dans la catégorie, je prépare un re-retour parce que le dernier a foiré. Les nominés sont Mika, ah oui. Vita, oh. Alizé. Oui. Oh. Là, il y a eu du re-retour. Ah ouais. On continue. Dans la catégorie, oh, les bonnes, celle-là. J'ai tellement posé à poil que ma prochaine une de magazine, c'est ma coloscopie. Rihanna, Miley Cyrus. Oh, la tête de Matt. Justin Bieber. Oh, oh hey, tout le monde a vu sa table, hein. C'est vrai que tout le monde a vu son zizi, en fait, par haut. Tout le monde a fait des c'est bien ça, Justin Bieber. On continue, ce sera Rihanna la première. Dans la catégorie, on a quand même gagné The Voice, merde. Le grand Renoir qui a pas de charisme, là. Le fromager de l'année dernière. Et l'autre que je remets même pas physiquement. Ah, c'est vrai que des fois, on se souvient pas de tous les noms. Ça me l'oublie. Attends, il y en a encore. Mon Dieu, je prie le Seigneur pour ne jamais être dans cette cérémonie. Hey, attends, il en reste trois, t'es peut-être dedans. Ouais. Dans la catégorie, donnez-moi une pelle. Ellie J avec... Ellie J avec... Ellie J avec... Non, arrête. Ok, d'accord. En plus, elles sont adorables, on les a eues cette semaine. Elles sont mignonnes comme tout. Oui. Il en reste deux. Dans la catégorie... Et merde, encore un Québécois. Les nominés sont... Olivier Dion. Zao. Cœur de pirate. Ah, peut-être gagner demain, on sait jamais. Oh. Allez, un dernier. Dans la catégorie prochain clip réalisé par Jackie et Michel, les nominés sont Rihanna, Miley Cyrus, Nicki Minaj. Eh ben, je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit pour Richard. Et là, il y a Matt qui se dit, putain, je suis dedans. Ah ouais, je suis dedans. T'es pas de temps, Matt, bien. Putain, j'ai les auréoles, je suis pas bien. Oh putain. Ah, je signale aux auditeurs que Matt est vraiment désespéré. Heureusement que j'avais prévu le t-shirt blanc. Hein, tout ça, c'est de la blague. Mais oui, bien sûr. Écrite par Matt Pokora. Ouais. Non, ouais. C'est lui qui a écrit la moitié des catégories. Ouais, c'est quand même plus facile d'en rire quand on n'est pas dedans. Hein. Même ceux qui sont dedans, ils nous connaissent à force. Oui. Bon, je te fais un bisou maintenant. Mais oui, tu peux faire. Eh ben, gros bisou, mon pote, que le public. Bisous la famille, merci. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, merci. Pour le 74e prix, tu vas peut-être pouvoir avoir. C'est jamais, hein. Non, le 12e, c'est ça. Il attend que ça. 12. Il a construit sa maison en énergie musicale. Cette année, c'est chaud. C'est vraiment chaud, cette année. C'est très chaud. Bonne chance, mon pote. On va se régaler demain soir, ça. Et bravo pour l'album et que ça continue. J'ai vu qu'il y avait des t-shirts dans le public. Il y en a qui avaient des t-shirts raides et tout. Il y avait des vrais fans encore. Je t'embrasse fort. Merci, à bientôt. Avant Guillaume, on se fait 10 minutes de mix. Oui. Et alors, attention, c'est Richard va rester avec nous. Oui. C'est Richard et Pietre qui va choisir la personne du public qui bouge le plus, qui fout le plus le bordel là-dessus. Sur les 5-6 minutes de mix qu'on va se faire ici,
Je vais prendre les platines le temps que j'aille là-bas. Et Richard, une fois qu'on aura choisi, c'est toi qui diras la gagnante et ou le gagnant. Et ouais, j'ai énorme. Vous pouvez me laisser deux minutes le temps d'y aller. Par contre, t'es sûr du choix de Piette là? Parce mais que. Mais oui, t'inquiète. Non, non, pas Piette, pas Piette. Pendant le mix, l'équipe de Guillaume s'installe, comme ça, ils reprennent tout de suite derrière. Exactement. Vous laissez la place, les gars. Faut que vous me laissiez une petite minute, je sais pas, ouais, Julie parle. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que tu veux pas faire les remerciements? Les remerciements. Ouais, bien sûr, bah, on va remercier toutes les équipes techniques d'énergie qui nous ont fait. Prends ton temps. Ouais, un studio de fou. Où est-ce qu'ils ont mis ma boule, les gars? Alors, on remercie les techniques d'énergie qui nous ont mis des super appareils dont on s'est pas servi du tout. Ouais, mais ça faisait beau sur les photos. Sur les réseaux. Parce que tu sais pas t'en servir. Quoi? T'as pas entendu la phrase? Non. Vous avez mis où ma boule? Oh, ça va, Julie, arrête. Enfin, allume ces platines. Excuse-moi, mais je suis obligée de m'arrêter là-dessus. Oh, bah oui, ça va. On remercie bien sûr la direction d'énergie, Gaël, Morgane. Ouais. Philippe Lequeret à la technique, toutes les équipes, nos stagiaires qui ont bien travaillé aussi. Ouais, moyen. Je voudrais dire que dans le public, vous avez raté un grand moment. Ils sont venus nous voir. Dans le public, vous avez raté une jeune fille qui a crié « Hey Koé, c'est mon anniversaire ah. !» Et celle d'à côté qui a dit « On s'en fout !» Donc, c'est-à-dire que maintenant, j'ai même plus besoin de vanner, les gens se vannent eux-mêmes. C'est ça. C'est ça qui est bien. Bon, vous êtes prêts aussi ouais. ou pas? Et toi, t'es prêt ou pas? Alors, si vous êtes prêts, faites-moi beaucoup de bruit. On se fait 10 minutes de mix et ceux qui bougent le plus, il y aura un gagnant. Il n'y en aura pas 50, il y en aura un, ok? Oui. Ce soir, pour vous, live, Koé Mix. To breathe in, let me be your air. Let me warm your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Oh.
Je vais vous mettre des images sur l'application, je vais vous mettre des images partout, vous allez halluciner du bordel que vous avez mis. Alors d'abord, je vais commencer par vous dire, d'abord, attendez, sachez que chez Guillaume, il y a encore des places à gagner. Ça c'est la première des choses. Sachez que maintenant, on avait promis une dernière place et on laisse en retard à Guillaume et maintenant on y va. C'est Richard qui va choisir. On a regardé, on a trouvé. C'est pas facile. On a trouvé. D'accord. Alors vas-y, c'est pas ma faute, c'est la faute à qui. On a trouvé. Richard sait qui c'est. Allez, vas-y Richard. Allez Richard. Et la gagnante. Allez Richard. Pour aller voir les jeux musicaux demain. Où va? C'est sa fille. Comment tu t'appelles? Amel. Oui, t'as gagné. Richard, il faut que tu dises celle qui ira demain au Energy Music Awards, c'est Amel avec ta grosse voix. Celle qui ira demain au Energy Music Awards, demain, c'est Amel. Voilà tout le monde, passez une très bonne nuit. Bonne soirée. Merci de cette ambiance de ouf. Restez là, il y a des places encore à gagner avec Guillaume. Je vous embrasse, bonne nuit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live sur Dailymotion, tous ceux qui nous ont suivis partout. On était d'ailleurs, ici, allez, à Grèce, c'est une ambiance de ouf. Fais pas la gueule, Pereira, déplace, on a encore à gagner. Fais pas la tête, il est beau ton truc, t'es bien sapé comme ça. Guillaume, t'es prêt? Ouais. On m'entend normalement. Est-ce que vous m'entendez dehors? Tout le monde entend, on entend dehors. On est prêt, tout va bien. En vrai, il n'y a rien qui marche, mais c'est quoi, on va faire une bonne émission quand même. Bonne bordel. Allez, merci les gars, rentrez bien, Koé. Ciao. Koé revient lundi, dès 19h, sur Énergie. Est à Cannes pour les Energy Music Awards 2015. Tout le monde s'est préparé jusqu'au dernier moment pour être le plus beau possible. A commencer par Guillaume Play. Il lui aura fallu 3 heures de préparation, 10 minutes pour s'habiller et 2h50 pour se coiffer. Une équipe de 8 personnes s'est reliée pour lui lisser les cheveux. Ce qui fait que ce soir, il aura une coupe à peu près potable. Julien, le stagiaire, quant à lui, a fait les boutiques toute la journée et il n'a jamais été aussi prêt que pour ce soir. En robe de soirée, talons aiguilles et culotte de circonstance. Jeanne du Standard a joué la carte de la simplicité. Il est allé dans la première boutique officielle qu'il a trouvée et il s'est acheté le plus beau maillot de l'OM. Et Amina du Standard, qui a dû s'occuper de ses habits, ses chaussures, sa coiffure et puis la plus grosse partie, le maquillage. Heureusement,
jour, elle a pris d'avance. Elle a commencé la semaine dernière. Du coup, elle sera peut-être à l'heure pour l'émission. Tout le monde est prêt. Ils sont beaux, bien habillés. Surtout, ils sont sur le tapis rouge de Cannes pour la 17e édition des Energy Music Awards. Une émission exceptionnelle. Pendant 2 heures, vous serez en direct du tapis rouge du Palais des Festivals à Cannes pour l'émission la plus classe de l'histoire de Guillaume Radio 2.0. Vous êtes prêts? Vous montez le tapis rouge sur Energy dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est la spéciale Energy Music Awards de Guillaume Radio 2.0 en direct de Cannes. Allez, on est parti. Bonsoir tout le monde en direct de Cannes. On reprend l'antenne à partir de 22h. Bonsoir dehors. Bonsoir tout le monde. Alors, hey, on a un peu l'impression d'être le Père Noël aujourd'hui puisqu'on est venu avec la petite enveloppe. Il nous reste plein de places à donner jusqu'à minuit. Voilà. Voilà, alors on est venu exprès pour ça, pour donner du bonheur, donner des places, etc. Je crois qu'il y en a qui sont venus de loin, donc on va faire attention. Voilà, pour passer dans le public tout à l'heure et vous les filer. Je suis venu avec toute l'équipe, là, Guillaume Radio 2.0. Juste stagiaire qui découvre Cannes. Ouais, dépucelage, salut tout le monde, salut Cannes. Dépucelage de Cannes. Ah, ça fait plaisir, ça fait comme un aquarium là en fait. Hein. Un peu comme un aquarium. Ouais, c'est ça, ouais, les gens nous regardent et c'est marrant. Ouais, c'est vrai qu'on est à l'intérieur. Comme des poissons. C'est vrai. Ouais, ça va, Guillaume, au standard. Salut Guillaume, ouais, ça va super, ouais. Va bon. Trop content d'être à Cannes. On est arrivé ce matin, on n'a dormi, on est arrivé directement. Ouais. Amina du standard, elle a cru que c'était ce soir, les Némas. Et s'est habillée genre en mode toute classe, etc. On aura notre copain Black M tout à l'heure qui sera là. Est-ce qu'on peut allumer l'instant key juste pour que je balance des sons? Attends, je garde le sourire. Ah, je voudrais bien entendre dehors les fans de Black M juste pour voir. En direct Energy Music Awards là, parce que ça sera demain. La cérémonie, on est venu ce soir, filer des places et faire une bonne émission avec tout le monde. Attends, y'a. Tout à l'heure. On a prévu, alors JM du standard, pourquoi on a deux costumes de sumo? Eh ben écoute, c'est pour faire une combat de sumo, voire peut-être même une course en fait. Et en plus, c'est un truc de spécial les sumo. Non, mais c'est pas normal, des sumo en fait normaux. Hein. C'est des sumo en fait à Astérix et Obélix. Mais on les a les sumo là? Ah ouais? Très bien. Ok, alors on va faire une course. Ouais. Moi je vais proposer à JM du standard, du coup on en a combien? On en a deux. On en a deux. Ouais. Alors je demanderai à Black M tout à l'heure, mais je vais proposer à Julien Stagiaire et JM du standard de chacun s'habiller dans un sumo. Ah, c'est ça, et grand de faire une course, de voir qui monte le plus vite les marches de Cannes, arriver en haut, vous tapez dans une main, vous redescendez. C'est pas possible en fait. Je vais. Bah allez. On a prévu les casques ou pas pour vos têtes? Ah oui. Bah en fait, non. Alors, est-ce que les mecs de la sécurité, quand on est arrivé, nous ont dit vous avez les casques et tout? J'ai mis ça, elle dit bah oui, regardez, j'en ai un visible. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. J'en ai un tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? On avait prévu de faire venir une voyante. Ouais. Dans cette émission qui a fait un malaise il y a 5 minutes. Parce qu'il fait très chaud dans le studio. Mais véridique. C'est elle était là. Et alors, juste pour voir si oui ou non ça va se résoudre demain, je vais mettre la petite musique et je vais vous lire ce qu'elle m'a mis. On lui a demandé de faire un pronostic sur l'Energy Music Awards de demain, parmi les catégories principales. Elle s'appelle Rebecca. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit que demain, l'artiste féminine française de l'année, qui a reçu le SMS, c'est toi, Gilles Sandard? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Ouais. C'est toi, Gilles. Ouais, c'est moi. Indila, elle est gagnée demain. Ouais, apparemment, moi je la crois pas, mais après. Ouais. L'artiste masculin français de l'année, je dis pas ça parce qu'il arrive dans 2 minutes, apparemment, d'après notre voyante, ça devrait être Black M. Ah. La révélation française de l'année, ça devrait être Marina Kaye. C'est ça. Ça, on verra ça demain aussi. Ouais. Et la chanson française de l'année, ça serait Maître Gims, Est-ce que tu m'aimes? Ah ouais. Alors, je vais vraiment garder cette feuille-là. Ouais. J'aime du standard, vous êtes vraiment. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Ouais. Demain. On ira faire une vidéo sur ma chaîne YouTube que je posterai avec la voyante. Ouais. Après l'émission, en espérant et on verra bien si elle avait raison ou pas. Voilà, on fera ça demain. On va retrouver dans 2 minutes Black M, juste le temps de s'installer. Qu'est-ce qu'on s'écoute en premier, JM du standard? Alors en premier, on va s'écouter Charlie Pouf. Charlie Pouf. Ah, on se fait un son un peu love, ouais, etc. Voilà, pour commencer. C'est Marvin Gaye. Ouais. Et juste après, on retrouve notre poteau Black M. Alors attendez, juste dans le public. Attendez, juste pour voir. Attendez, faites du bruit pour Black M dans 2 minutes. Allez, on se fait plaisir, il sera là dans 2 minutes. Il sera là. Alors, j'ai un stagiaire juste. Ouais, est-ce que tu peux sortir, s'il te plaît? Maintenant, là. Avec ce micro sans fil. Attends, je vais y aller, attends. Juste pour prendre la température. Et tu vas prendre les 2 places pour l'Energy Music Awards qu'on va vous offrir demain. Ce soir, on est là. Enfin, on va vous offrir tout à l'heure, on en a plein. On en a plusieurs. Bah oui. Tiens, mais tu sais quoi? Mais même, vas-y, sans. Ouais. Vas-y, sans. Ouais. Vas-y, parle dedans. Dedans. Voilà, vas-y. Avec les places. Ouais, et tu les donnes pas. Non, t'inquiète pas. Les garde juste pas. Juste pour prendre la température. Tu m'entends ou pas?
Et tu peux me présélectionner. Ah, si j'ai les places. Ah, c'est fou. Qui veut les places? Tu peux me... Ah, ils sont fous. Là, 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 des places. Tu peux me présélectionner peut-être quelqu'un. Ah, ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous. Ouais. Alors, regarde déjà qui fait le plus de bruit là. Attends. On est en direct des Energy Music Awards. J'entends rien. Et on va vous filer les places ce soir. T'entends rien? Non, j'entends rien. Bon, je t'entends un petit peu, mais. Alors, on a les dernières places. Oh là là. On a les dernières places. On a les dernières places jusqu'à minuit à vous offrir ce soir pour cette émission exceptionnelle. On retrouve Black M juste après. Reviens, je sais, reviens. On m'a mis un casque, mais c'est bon. On se fait Charlie Puth. Ah non, c'est la pub, c'est d'abord la pub. On se retrouve juste après la pub avec notre poteau Black M sur Energy. À tout de suite. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 alors sur Energy, c'est comme ça. Vous savez ce que c'est que le somnambulisme? Oui. C'est quand des gens ils se lèvent la nuit et ils dorment et ils marchent un peu partout. Ouais. Et bien, il y a une étude qui a été menée par des neurologues de Montpellier. Mmh. 79% des somnambules ne ressentiraient pas la douleur tant qu'ils dorment. Ah, tu peux faire n'importe quoi. Bah, c'est-à-dire que s'ils se cognent sur les murs pendant 2 heures, le somnambule, ça lui fait rien. Voilà, si vous connaissez un somnambule, vous pouvez tester pour voir. Bah, tester à petit niveau. Allez, pas le transpercer avec une épée. Hein. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30 sur Énergie.
Radio 2.0 en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Et de retour sur Energy, bonne soirée tout le monde, 22h minuit en direct. Est-ce que ça va toujours dehors? Est-ce qu'il y en a toujours qui attendent les places? Il y a du monde encore. Ah non, mais il y a parce que en fait, j'ai pas vu, il y a un écran géant. Ouais, justement. Et il y a du monde au fond aussi là-bas quoi. Alors, je sais pas s'ils nous entendent dans le fond, tout au fond là-bas, mais voilà, on file des places sur les balcons là-bas dans les immeubles. Voilà, qu'il faut qu'on vous. Et il y en a même sur c'est vrai, il y en a dans les immeubles. Ah ouais. Bon, j'espère que ça va en tout cas vendredi soir les amis à la radio. On est en direct, d'habitude on n'est pas là le vendredi, on fait dimanche ou jeudi. 22h, 1h, et là exceptionnellement, on est venu pour les Energy Music Awards. On est venu surtout avec sous le bras plein de dernières places, puisque c'est la dernière fois. Vous allez pouvoir en avoir. Ouais, alors, la première enveloppe, elle est là. Julien Stagiaire, tu vas aller la donner dans un instant. Avec plaisir, et on va retrouver normalement notre ami. Est-ce qu'il est là, Black M? Je crois qu'il est là. Ouais. Ah. Tiens, on va faire bien plein de bruit pour Black M. Viens. Vas-y, viens l'enfoirer. Il est là, notre pote. Salut. Ça va mec? Informe, bienvenue. Alors on est en direct des Energy Music Awards avec Black. Mets toi où tu veux, t'as deux places possibles. Ouais, là. J'ai place. Envie de te dire, c'est plus dangereux du côté du Vestager. Non, en termes humains, c'est un peu plus dangereux. Ah ouais, fais attention. Faites du bruit pour Black M dehors, on vous entend. Voilà l'intérieur. Comment ça va mec? Ça va très bien. Ça va? C'est pas les premiers Energy Music Awards pour toi de toute façon? Non, c'est pas les premiers, j'en ai fait avec Section d'Assaut, l'année dernière j'étais tout seul. Ouais, et là du coup t'es nommé. Et là t'es de retour, t'es nommé pour demain artiste masculin français de l'année. Ouais. Je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, on a fait venir une voyante. Bon, elle a fait un malaise, alors on l'embrasse très fort, elle était là. Elle est voyante. Elle est partie, c'est véridique. Elle s'appelle Rebecca, elle a fait un malaise juste ici. On lui fait un gros bisou et nous écoute de la voiture. Elle a pensé trop fort, je crois. Et attends, et c'est véridique, je te jure. Et franchement, on lui a demandé d'entourer ses prévisions et tuer demain l'artiste masculin français de l'année. Donc c'est bon, t'as gagné. Attends. C'est bon, c'est bon. On va pas fêter ça avant quand même la victoire, mais en tout cas on verra si c'est vrai ou pas. Je te ferai un petit tweet demain, pour voir si c'est vrai. Ça marche. Je crois que t'as mis un tweet sur. Tu m'as rajouté des yeux sur Twitter là. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est mon emoji. Ah, t'as une emoji sur, sur Twitter? Ouais, ça vient d'arriver. Mon personnage se place tout doucement. D'accord. Tu peux rajouter les yeux à des personnes. Je transforme n'importe qui en Black M. D'accord. Allez voir sur le Twitter. Je transforme n'importe qui en Black M. Allez voir sur mon Twitter. C'est assez marrant. C'est quoi? Comment s'appelle l'option pour avoir ces trucs-là? C'est un truc en plus, un nouveau truc. L'emoji, c'est ça? Ah, c'est ça. C'est la Twitter caméra. Non, c'est ça qui est. Twitter caméra. Ouais. Ah, vas-y. On va aller voir sur ton truc. Alors, je crois que t'as un truc après, donc on pourra pas faire un combat de sumo tous les deux. Un combat de sumo. Ouais, non, mais on pourra pas le faire. C'est dommage. Parce qu'elle avait pris. Donc du coup, je vais faire courir Julien Stagiaire et JM du Standard. Ouais, chacun en sumo. Je suis un sumo, tu vois. Non, ah ouais. Ils vont partir en bas des marches. D'accord. Et ils vont devoir courir en sumo, mais vraiment impossible en Astérix Obélix. Et on finira à l'hôpital après. Voilà. C'est énorme. Ils vont devoir monter les marches et revenir. Et tu vas parier sur un des deux. Je vais parier sur un des deux. Non. Je suis un bon poulet. Contre qui? Contre JM du Standard. Contre moi. Je suis un bon poulet. Franchement, je suis à côté de toi. Si tu veux perdre, tu prends Julien Stagiaire. Voilà, tu vois, il a dit. Donc on va chacun parier. Et lui, il est Marseille. Moi, je suis Marseille. Donc le choix est fait. Paris. Voilà, là, là, là. On va faire la team Paris, Black M. J'ai envie de vous dire, Black M a perdu ce soir. Vous allez voir, on va le faire en direct dans deux minutes. On a eu Maître Gims qui est venu aussi dans l'émission à Paris il y a quelques mois. Là. Ouais. On avait fait venir un gars de 10 ans. Tu l'avais vu cette vidéo ou pas? De l'interview, il y a eu 3,5 millions de vues, je crois, sur YouTube. Ouais, c'est qui le gars? De 10 ans, on prenait des incollables pour des CE2 et il lui posait des questions. Est-ce que tu l'as vu ce truc là? Non, je crois pas que je l'ai vu. Bon, on a prévu 2-3 petites surprises avant que tu partes. Bon, en tout cas, alors, tu restes jusqu'à quand là? Tu repars dimanche matin direct? Ouais. Comment ça s'est passé le titre avec Kev Adams? J'ai vu que c'était 30 millions de vues sur YouTube. 30 millions de vues, ouais. C'est un gros succès, moi-même, je comprends pas, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Fou. 30 millions de vues en combien de temps? En un mois? En deux mois. Ah ouais, bon, on l'embrasse, Kev. C'était à Marseille qu'on s'était vu au Energy Music. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'avait appelé en FaceTime, c'était énorme. Ouais, exactement. Faudra qu'on le refasse, exactement. Un truc comme ça, on le dirait avec des concerts, là. Vous pouvez poser des questions. Guillaume et votre message, au 612, si vous avez des questions à poser à Black M. Dans un instant, tu vas dans le public si tu veux bien donner des places. Yes. On va offrir ce truc. Alors, le seul truc, c'est très compliqué. Alors, qui mérite? Est-ce que c'est plus vers là-bas ou vers la gauche là-bas? On va voir ça tout de suite. J'ai l'impression que ça crie plus. Ou alors vers la droite, peut-être. Non, regarde. Ou alors au milieu. Au milieu peut-être. Derrière. Bon, on va voir qui dans un instant va repartir avec les places. Juste avant, on va faire un petit quiz tous les deux là. Vas-y. Et tu vas nous faire un live de quoi alors? Je crois qu'on va faire un live en direct après. Prince Aladdin. Le Prince Aladdin, tu vas nous faire tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dehors le film?
Bah, tout le monde, quoi. Bah, tout le monde l'a vu, quoi. Je crois que c'est le plus gros succès de l'année déjà. C'est le plus gros succès. C'est le plus gros succès. C'est le plus gros succès. 3,5 millions d'entrées déjà. Ah, c'est fort. Au bout de quelques. C'est grâce à toi, c'est grâce à la musique. C'est grâce à la musique de Black M. T'avais fait un morceau qui s'appelait On se fait du mal, il y a quelques temps. J'ai stagiaire, est-ce que tu peux te mettre à côté de Jim Ah, on le fait vraiment. Alors, je vous explique le concept. Tiens, vas-y, va direct. Je t'explique le principe. À chaque fois que tu vas avoir une mauvaise réponse, ils vont se faire du mal l'un et l'autre. Ils ont le droit de se mettre une claque. L'un et l'autre. Une claque, ça a mal finir. C'est On se fait du mal. C'est pas joué, ça a mal finir. Va à côté. Non, mais ils vont vraiment s'embrouiller. Attends, il y a le casque. J'ai mis mon pull d'hiver, mon vieux, il fait chaud. Ah ouais, trop chaud, apparaît. Je lève la chemise, on va se battre là. Alors vas-y, je viens stagiaire, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. J'aime du temps là, est-ce que t'es prêt? Ah, moi je suis prêt, je sors. On va faire le quiz, on se fait du mal. Ouais. Maintenant, le but du jeu, à chaque fois que Black M a une mauvaise réponse, c'est JM du standard qui vient de claquer, JM stagiaire pour commencer, vice versa. D'accord, je compte sur toi, Black M, franchement. Ok, première question. Ouais, faut que tu répondes juste. Non. Pendant 17 ans, le code de déclenchement nucléaire donné au président américain. Attends. T'as l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est très simple. Vas-y. Pendant 17 ans, le code de déclenchement nucléaire donné au président américain, est-ce que c'était A, QWERTY, ou B, 8-0 à la suite? Le code de déclenchement nucléaire. Alors, si jamais tu te trompes, JM du standard met une claque à JM stagiaire. Ah ouais. Franchement, une claque ou une patate? Non, non, une claque. Attends, redis les réponses. Alors, le code de déclenchement nucléaire pendant plus de 17 ans aux États-Unis, c'était QWERTY ou 8x0? Je réponds au pif. Vas-y. QWERTY. Tu dirais QWERTY. Eh ben, je crois que c'était 8x0. Et c'est des vraies infos. En plus, alors, ouais. JM du standard, vas-y, mets une claque à JM stagiaire. Non, mais doucement, mais doucement. Okay, c'est pas le quiz. Le quiz. Attends qu'on entende. On est pas lunettes, on est plus. Non, mais c'est moi qui l'a mis. C'est moi qui l'a mis. T'inquiète, c'est pour bien viser. C'est la deuxième. C'est vraiment des jeux à la con, là. Attends, JM stagiaire, on va faire un compte à rebours. Ah ouais. Enlève le casque. On va compter jusqu'à 3, d'accord. On va compter jusqu'à 3 et tu lui mets. Alors, vas-y. Attends, j'ai enlevé le casque. Vas-y. Un. Non, t'inquiète. Non, mais mets-toi près du micro. J'ai pas peur, regarde, j'ai le micro. Vas-y, 3, vas-y. Oh, ça va. Quoi, ça va, je suis pas trop fort. Putain, mais ça va. J'ai retenu. Attends, deuxième question. Deuxième question, attention. Eh, Black, concentre-toi parce qu'il attend que ça maintenant. Si t'as faux, je m'en fous, je tape. Laquelle de ces propositions est juste? Est-ce que les dauphins utilisent des poissons toxiques pour se droguer et planer? Ou est-ce que la Russie a un numéro d'urgence dédié à la dénonciation d'espions étrangers? C'est quoi ces questions? La 2. Eh ben c'était la 1, voilà, la KMA et de l'autre KMA, c'est ça! C'est moi qui la prends! Donc les dauphins utilisent des poissons toxiques pour se. Vas-y, alors attends, vas-y, je vais stagiaire, je vais en mettre une à JM du standard, mais doucement! Tu vas rater, il m'en a mis une forte! Non! Mais j'en ai rien à foutre! Non, je vais pas s'embrouiller quand même! Vas-y, je vais stagiaire, mais doucement! On fait un décompte, tu l'as mis jusqu'à là sur ta joue gauche! Vas-y, la gauche là! 1! 2. Non, mais doucement! Regarde, t'as vu la méchante qui m'a fait mal! Je propose la même. C'est quoi? Tu vas faire un compte à rebours toi? Jusqu'à 0, d'accord? Tu vas faire 3, 2, 1, 0 et puis c'est. Franchement, vas-y doucement! Oh, s'ils prennent les lents, on en remet d'autres, après! Il y a d'autres jeux qui arrivent, les gars, Après, vous allez courir en sumo et tout! Compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, JIF! Quel âge il a, Black M? Je l'adore, je suis allé le voir aussi à Colmar, cet été, une tuerie. Quand revient-il en Alsace? Trop fan, Damien. T'as quel âge, Black M? 30 piges. Salut, je connais Black M depuis l'écrasement de tête et JR, vraiment vivement l'éternel insatisfait. C'est ton futur album qui arrive. Ouais, le deuxième. Avant la dernière question et la dernière claque qui arrive entre JST et JM de son. Il y a du stress, j'espère. Hein. Il arrive quand l'album éternel insatisfait? Le mien, j'ai pas de date encore, mais vers la fin de l'année. Il y a des featuring dessus que tu peux annoncer. Dans la fin de l'année 2016. Vers la fin de l'année 2016. Ouais, 2016 et pour l'instant il est en construction. Ça se construit doucement. T'es content de certains morceaux déjà dessus, ouais? C'est vraiment le début. Ça prend combien de temps à faire un album, genre c'est plus d'un an?
genre de construction? Franchement, c'est à peu près, c'est plus de 8 mois sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc okay, okay. Sûr, et après c'est du peaufinage, donc ça. Ça dépend de la qualité de l'album après. Ça dépend, ouais, ça dépend. Non, c'est vrai, c'est vrai. Andy Dance, tous vos hits préférés. C'est l'énergie. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Award. Sur maxshop.fr, vous trouverez tout pour votre premier cours de chant. Tout pour votre première répétition avec un vrai groupe. Et tout pour votre premier concert devant un public en folie. Backshop.fr, l'un des plus grands magasins de musique en France. 325 spécialistes, toujours à votre service. Backshop.fr, la musique avant tout. EnergyGames.fr, toute l'actu du jeu vidéo, du high-tech et des objets connectés. Retrouvez aussi nos émissions, nos chroniques et toutes les stars Energy qui partagent la même passion que vous. Energy Games, play again. Ce soir jusqu'à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 spécial Energy Music Awards en direct de Cannes. Et en sachant qu'avant minuit, on a quand même beaucoup de place à vous offrir ce soir sur Energy. De retour sur le tapis rouge. Avec eux. Alors il y en a qui attendent pour les places pour Energy Music Awards. Julien Stagiaire tira tout à l'heure. Ouais, grave. On a commencé, on est avec notre ami Black M depuis tout à l'heure. Tu vas nous faire le live avec le prince d'Aladin. Millions de vues hyper vite sur YouTube. On va juste terminer le jeu. Il y a un écran pub qui est parti parce que ça change tout aujourd'hui. Ouais, c'est Energy Music Awards. JM du standard. Si jamais Black M a la mauvaise réponse, tu dois mettre une gifle à Julien Stagiaire. C'est le quiz. On se fait du mal. Ouais. Alors t'as la pression. Et il est vénère, JM du standard. Est-ce que t'es prêt pour la dernière question? Vas-y. Merde. Attention. Et franchement, elle est difficile. Oh non. Attention. Un signal perçu par des astronomes pendant près de 17 ans. Aux États-Unis. Déjà, c'est sûr que je vais me tromper. S'il te plaît. Un signal perçu par des astronomes pendant près de 17 ans dans une base américaine provenait en fait du micro-ondes de la base. Oh merde. Ou des télécommandes pour ouvrir le portail de la base. Ah, c'est chaud. Le micro-ondes. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh merci Black M. Parce que si jamais t'avais donné. J'ai mal à la bouche. Il y a un problème, Guillaume. Regarde, j'ai la mâchoire qui est décassée. C'est vrai, voir de mon côté, c'est abusé. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, t'es rouge. Non, c'est abusé. Mais je te gère, t'allais trop fort. Non, c'est pas gentil. Attends, dis-lui que tu l'aimes à ton ami là. Je t'aime pas. Il y a plein de SMS qui arrivent. Guillaume et vos messages aussi sont tous. Alors tout le monde demande les nouveaux featuring qu'il y aura sur le nouvel album. Il sait pas encore. Voilà, c'est ce qu'on a dit. De grosses surprises qui arrivent, mais on peut pas encore vous dire dans un instant. De grosses surprises. T'as choisi de prendre Julien Stagiaire comme sumo. Ouais. On va faire une course de sumo sur les marches. Vous allez partir en bas des marches dans 3 minutes. Ok, on va se mettre Marvin Gaye avant. Ouais. Julien Stagiaire et JM du standard. Moi, je mise sur JM du standard. Merci, Guillaume, tu vas voir. Défendre là. J'ai trop mal pris la claque. Il a tellement mal à la bouche. Ah ouais, ouais. Il va le pousser dans les escaliers. Sumo, la stop. Non, surtout pas. Attends, tu rigoles ou quoi? Oh là là. Alors, et posez vos questions, allez-y. C'est quoi le premier beau cadeau que s'est offert Black M? C'est intéressant. Est-ce que tu t'es fait un premier beau cadeau depuis le gros succès que tu connais depuis quelques années? Est-ce que tu t'es fait vraiment un kiff pour te faire un peu plaisir? Je suis parti, j'ai emmené toute ma famille avec moi en vacances. C'est vrai, où ça? Au Maroc. Au Maroc, vous êtes parti à combien? Genre beaucoup? Beaucoup. Juste à dire, t'as déjà emmené toute ta famille en vacances? Non, j'ai pas les moyens moi, donc j'aimerais bien un jour, mais. C'est lui qui se fait emmener par sa petite sœur en vacances. J'ai mis un plus beau cadeau que t'aies fait à ta famille, c'est. Franchement, c'était pour le baptême de ma filleule. J'ai offert une grosse. C'était une chaîne, ouais. Pas la chevalière. Ouais. Pas la gourmette, pardon, c'était la chaîne, ouais. D'accord. La chaîne pour le baptême. Petit cadeau. Gros cadeau. Ouais. Et je suis le parrain, c'est pour ça. Et si tu devais vendre ton award, tu me le vendrais quoi?
combien? Est-ce que tu as des... les places, je sais qu'on peut les vendre très cher, les places. Ouais, ça se vend. Il y a beaucoup de monde qui les veut, les places. Mais... Je vais te le vendre à toi ou... Non, c'est quelqu'un. Il y en a plein qui proposent de le racheter. Le... Genre sur le bon coin, tu vois. 3 450 000. Ouais, donc c'est compliqué à acheter. C'est cher. Tu sais que l'autre jour, on a fait une émission spéciale paranormale et il y avait une sorte de fou. Ouais. Tu sais, qui parlait de. C'était quoi, Jim Sainz, ce mec? C'était l'esprit, le mec possédé. Non, tu sais, le mec qui t'a demandé 3 milliards pour venir. On a invité un mec et le mec nous a demandé 3 milliards et demi Sylvain pour venir ici. Ouais, c'était tu vois qui c'est Sylvain Durif? C'est un mec en fait qui croise extraterrestres. Un mec un peu chauve. Qui a fait un peu le buzz il y a 2-3 ans parce qu'en fait, soi-disant, il a vu des extraterrestres. Et pour venir dans l'émission, il a demandé 3 millions d'euros, 3 milliards, je sais plus. Un contrat et tout signé par le grand patron d'énergie, ouais. Ah, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Black M est avec nous dans un instant, on se fera plaisir avec, le live de Prince Saladin. Cinéma, t'es allé voir le film, enfin tu t'es entendu dans le truc, t'es allé voir un peu. Mais j'ai fait les avant-premières avec l'équipe du film, avec Kev Adams. Donc j'ai vu le truc à la fin du film, j'ai vu le public se lever comme dans un concert, chanter le morceau dans les cinémas à la fin. Ah, ça va être génial. Mortel. Toi, t'as envie d'en faire du cinéma, après t'as des objectifs un peu ciné. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Dès qu'on a parlé d'Aladin, il y a ça qui est arrivé là. T'aimerais tourner dans quoi comme type de film? Genre dans un truc comme Aladin, dans un truc un peu plus sérieux? Tu dois jouer dans quoi là? Je testerais bien les deux. Parce qu'on a plein de réalisateurs qui écoutent parfois. Ouais. Et on est surpris. Je le dis souvent, je testerais bien les deux. Tu me vois dans quoi toi? Ouais, moi je te vois dans un truc un peu sérieux en fait. Sérieux? Ah non, mais tu peux. Avec une fille, j'aimerais bien moi. Comédie romantique. Ouais. Ah, une comédie. Ouais. Oh, non, mais tu l'as pris pour Bridget. Non, mais avec une fille, tu vois, genre, je sais pas. L'amour, c'est BA2. Ouais. Il est posé, il est balayé. Allez, Virginie et Fira. 20 ans d'écart, ouais. Tu sors avec une meuf plus vieille. C'est quoi? Dans le film 20 ans d'écart, en fait, tu sors avec une meuf plus vieille. Ah, c'est sympa, les cougars. Bah oui, grave. Est-ce que t'as déjà reçu des propositions, alors pas de cinéma, mais est-ce que t'as déjà reçu des propositions un peu bizarres? Parfois, on a des artistes qui ont reçu des trucs. Non, professionnel. Est-ce que ça t'est arrivé de recevoir une séance photo et puis finalement t'arrives et puis le mec il dit, bah c'est un peu tout nu, tu vois? Ouais, c'est possible. Comme dans Dicken avec le film, est-ce qu'on t'a déjà proposé des trucs un peu. Non, franchement, jamais. Jamais. Mon équipe vérifie tout avant. Ah, on t'arrive. Qui vérifie tout ce qui se passe. On n'a jamais fait rentrer un poney pour une séance photo. Tu l'as pas vu le film Dickeneck, non? Avec François Lambrou, il fait rentrer ça. Et Mélanie Laurent, il fait rentrer un poney en plein milieu de la scène. Un endroit stylé où t'as eu la chance d'aller en faisant de la musique. Est-ce que t'as eu la chance de, un peu comme les Nema ce soir, tu vois, de vivre des trucs de fou? Les concerts, j'imagine. Stylé, un concert de ouf que j'ai fait à Tahiti. À Tahiti. Voilà. La chance, c'est bien. C'est énorme. Avec Tahiti. La section ou c'est en solo? En solo. Ah ouais. Pourquoi c'était ouf? Bah, Tahiti, c'est une carte postale le truc. Ah, c'était dingue. Bah ouais. Et t'étais dessus quoi en plus? T'étais sur la carte postale? C'est un visage de fou et on a kiffé de fou. Bon, et JM du Standard, ouais, JM Stagiaire, vous allez vous habiller en sumo. Ouais, allez, dans 2 minutes, on vous retrouve en bas des marches, on se fait Marvin Gaye et on retrouve juste après. Ouais, et dehors, est-ce qu'il y en a qui veulent des places avec Black M dans un instant? Venez, on est en bas du palais si vous voulez venir. On est là jusqu'à minuit sur Énergie Guillaume, Radio 2.0 spécial. Avec notre ami Black M, on se retrouve juste après ce morceau sur Énergie. Bonne nuit tout le monde, merci d'être là en direct. Hein. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit your show and tell.
day and get it on. Direct de Cannes pour la spéciale Energy Music Awards. Guillaume Radio 2.0, 22h minuit sur Energy. Allez, de retour sur Energy, bonne soirée les gars. On est en direct là, de 22h à minuit sur les marches du palais. Ça va toujours dehors là? En fait, on est dans un studio avec Black M et on a en fait, il y a des vitres dehors donc on n'entend pas bien ce qui se passe à l'extérieur. Ah, ça y est, il y a le standard qui remarche, ah, putain, génial. Miracle. Alors, normalement, on va entendre Julien Stagiaire et JM du standard. Black M, tu as choisi de prendre Julien Stagiaire. Yes. C'est parce que tu ne connais pas bien l'émission, ouais, que tu as pris Julien Stagiaire, sinon tu aurais pris JM du standard. Erreur. Est-ce que vous m'entendez, les gars, ou erreur, pas? Carrément, on me dit erreur. Est-ce que vous m'entendez, les mecs, ou pas? Non, ah, ils m'entendent pas. Ah, ils m'entendent pas, les deux sumo. Ah merde, ils m'entendent pas. Ils sont où? On peut les voir? Alors attends, parce qu'on a mis deux mecs en sumo. Attendez, ils sont où les sumo? Est-ce qu'ils peuvent lever la main là? Ah, ils sont là-bas. On vous entend pas, les mecs, comment ça se fait? Est-ce qu'on peut monter le potard à Paris pour entendre le téléphone? Essayez de parler, les mecs. Non, je crois qu'on vous entend pas. On vous entend pas. Eh, hey, tu sais quoi? Vous m'entendez, vous? Eh, vous m'entendez dehors ou pas? Eh, hey, GSTJR, GM du standard, vous y allez, tant pis. Ok, à 3. Vous allez courir en sumo sur les marches. Black M a choisi de prendre comme poulain Julien Stagiaire. C'est le premier carré. Ils doivent redescendre. Ok, ils font l'aller-retour. Attention, on va faire un compte à rebours. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Les sumo, on est en train de faire une course de sumo géante sur les marches du palais. Bon, il n'y a pas le retour, malheureusement, on n'entend pas le son. On n'entend pas du tout. Je crois qu'à Paris, si tu peux monter le téléphone. Ah non, ça marche pas en plus. Attends, vas-y. Ils sont où les sumo? Ils tombent. Ils arrivent même pas à remonter. Mais oui. Ah, ils tombent en fait, ils y arrivent pas du tout. Allez, repartent en arrière. Alors vas-y. Attends, venez dans le studio. Venez dans le studio habillé en sumo, les gars. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette émission, les mecs? Ils arrivent même pas à monter les trucs. Attends, qu'est-ce qui se passe, Thomas? Viens là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la sécurité qui les empêche. Ah, ils veulent pas monter. Alors venez avec nous en sumo. C'est quoi ça fait penser? Faites du bruit pour mes deux sumo dehors là. On est en direct Energy Music Awards. Et les gars, vous allez juste rigoler. Ah non, la tristesse. Ils vous ont pas laissé monter dehors? Ils vous ont empêché de monter. Non. Gagné. Je suis le premier. Ils vous ont pas laissé monter? Pourquoi? Je sais pas, il s'est tombé dans les barrières, je vais stagiaire. Moi j'y suis allé en kamikaze, je suis allé frontal et voilà, je suis tombé tout seul. Non, mais c'est qui a gagné alors? C'est moi, je suis là. En gros, t'es tombé, je suis stagiaire. J'ai mis un pied sur la marche. Ouais, donc c'est JM du sort, c'est mon poulain qui a gagné. Non mais franchement. Là c'est injuste. Non, attends, et quand tu vois la. Attends, il faudrait faire une course ailleurs, alors vous faites le tour, je sais pas. Faites le tour avec les barrières, vous partez de là, vous faites tout le tour avec les gens, etc. Ouais. N'hésitez pas à les pousser quand ils arrivent à venir en sumo. Et le but du jeu, c'est que tu reviennes par ici, ok? 3, 2, 1, partez, vous courez. Je suis mort. Mais qu'est-ce que c'est cette émission ce soir? Bon, et le temps qu'ils arrivent, Black M, il y a eu plein de questions qui sont arrivées juste. Est-ce que t'es sur Tinder? Sur quoi? Sur Tinder. Je connais même pas Tinder. Non, c'est vrai, l'application de rencontre. Non, t'as jamais été sur Tinder? T'es sur aucune application de rencontre, non? Non. Toi, t'es marié, non, je crois? Ouais. Attends, ah oui, d'accord, donc c'est en mode sérieux. Parce qu'on a eu déjà des artistes qui nous ont raconté qu'ils étaient sur Lovoo, sur les applications. Sur Lovoo, sur Apple. Oh, là, tu me dis des trucs. Tu vois, Mina du standard met tout son salaire dans des applications de rencontre. C'est pas vrai, n'importe quoi. Pour essayer de rencontrer les hommes, etc. J'ai tout supprimé. Allez sur. Attends, ils sont où les sumo? On entend courir et tout, c'est n'importe quoi. Oh là là. On voit, attends, on va voir. Je pense que c'est moi qui vais gagner avec JM du standard. Je vois deux têtes de sumo qui sont en train de faire le tour. On est en direct du palais des festivals. Je vous file des places tout à l'heure dans un instant pour aller au Energy Music Awards. Demain, on est avec Black M toujours qui va faire dans un instant. JM du standard! C'est mon poulain! Mon poulain est nul. Non, mais ton poulain est pas là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, JM du standard? GCGR?
Attends, approche-toi. Approche-toi. Qu'est-ce qu'il y a juste à dire ? On m'a mis des coups. Les gens, des coups de pied vraiment violents. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais attendez les gars, fallait pas le lyncher non plus le stagiaire. Là, fallait juste le pousser les mecs. Les mecs, ils savaient pas jouer, ils sont trop au rugby là. Et toi, j'ai le standard. Moi aussi, on m'a sauté dessus. Ah, c'est bon. J'ai entendu des chiens et tout. C'est vrai, les chiens. Il y avait un petit chien. Ils ont de la boue sur la tête, regarde. De la boue. Ah, t'es tombé. Non. Mais si. Ah bah, non, je suis tout sale. Je suis peut-être passé trop vite près des arbres. Oh là là. Black M, c'est quoi la connerie que t'as fait quand t'étais plus jeune? Est-ce que t'as déjà fait une connerie? Tu vois, par exemple, la plus grosse connerie de Julien Stagiaire quand il était jeune. C'est aujourd'hui, là, le déguisement. C'est le déguisement. La plus grosse connerie que t'as fait, non? Grosse connerie, je sais pas, j'en ai. Est-ce que t'as déjà eu pareil? Je sais pas, j'en ai fait des conneries comme tout le monde. Ouais, on en a tous fait, attends. Tiens, j'étais en internat, moi. Ouais. J'ai fait de l'internat et on devait rester du lundi au vendredi. Souvent, on sortait la nuit, on allait sur Paris en pleine nuit. Dans l'internat ? Dans l'internat. On sortait de l'internat, on allait sur Paris en pleine nuit. Et après, vous revenez, personne ne le voyait, quoi. On s'est fait cramer un tas de fois, même. Ça continue. Juste à dire, va à côté de Black M. Voilà, va à côté de Black M. Tu dois sentir bon dans ce costume dégueulasse d'Obélix. Il a transpiré en plus. Mais attendez, je vais vous mettre une photo sur Facebook, sur Twitter, etc. Parce que juste la photo de Black M avec Julien Stagiaire en mode. Non mais alors vous êtes beaux tous les deux là. Voilà, je vous mets sur mon Twitter Guillaume Play, si vous voulez nous refollow. Est-ce qu'il y a un retour de la section d'assaut? Est-ce qu'il y aura des nouveaux projets qui vont arriver, que ce soit en 2016 ou plus tard? Ouais, je pense que ouais, section d'assaut, ça va, c'est censé revenir en force. Et avec toutes les rencontres d'artistes que force. Tu force en plus, c'est attendu section d'assaut. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des fans de section d'assaut dehors là? Tu les entends pas, ils crient. Si. Eh mais en fait, c'est parce qu'il y a la porte qui est fermée là. Est-ce que tu peux voir la porte juste qu'on entende bien le public? Eh, le public, faites du bruit, on vous entend mieux là. Et quelle est la célébrité qui t'a le plus impressionné là par SMS qui est arrivé? Guillaume et vos messages aussi sont 12 hein, toute la soirée là. La célébrité qui t'a le plus impressionné? Qui est arrivé ici? Non, en général, t'as dû en rencontrer beaucoup dans des concerts, dans des émissions ou dans des labels, j'en sais rien, dans des studios. Vraiment le truc qui t'a le plus impressionné. Pharrell, tu l'as rencontré? Ouais, Énergie en plus. C'est vrai? Ouais. Et alors? On dirait, je sais pas, il est pas humain. On dirait qu'il est en mousse. Une poupée, il parlait pas trop. Bah, il est timide. Je sais pas. Il fait jeune, il paraît en vrai. Ce qui est impressionnant, c'est que le mec, il vieillit pas. Surtout. Ouais, c'est ouf. C'est un peu comme notre poteau Soprano qu'on embrasse très fort d'ailleurs. Soprano, il vieillit pas aussi. Soprano, il a un peu le même gène. T'as l'impression que le mec, il vieillit pas, quoi. Il sera là demain, Soprano. Oui, bien sûr. Soprano, il vient. Et mardi aussi. Et je crois qu'il n'était pas là ce soir, parce qu'il est encore sur Marseille, on l'embrasse très fort et tout, avec tout ce qui arrive. Mais voilà, il sera là demain au taquet. Et mardi, il va co-animer l'émission avec moi à Paris. C'est ça, ouais, ouais. 22h01, les petites surprises. Faudrait que tu viennes co-animer l'émission avec moi un soir. Bien sûr, avec plaisir. Ça pourrait être rigolo. On l'a fait avec Pouvoir il y a 15 jours avec Luan. Ouais. On a passé 3 heures ensemble, etc. Et t'as déjà essayé d'animer tout seul la radio ou jamais? Jamais. Jamais. Tu voudrais qu'on te laisse la radio une minute tout à l'heure? On l'a fait à Sopra, on l'a fait à Gims aussi. Oui, on l'a fait à Gims. Si tu veux, ouais, on te met un jingle. Est-ce que vous avez envie d'entendre Black M tout seul pendant une minute? Est-ce que vous avez de le voir? Et tu gères tout seul, etc. Si tu veux, tu peux lire les SMS en direct. Je peux te filer les SMS, t'as plus qu'à les lire. Je prends ta place. C'est quoi, prends ma place? C'est Black M 2.0. Et, alors attends, est-ce que à Paris, on pourra balancer un jingle et tu vas gérer la radio pendant une minute? Moi, je vais dehors, ok? Je vais avec des places, d'accord? Vas-y. Bon courage. Vas-y, est-ce qu'on peut mettre un jingle à Paris ou pas? Ah, Cannes, c'est la mer, c'est le soleil, c'est le festival de Cannes. C'est les Energy Music Awards. Mais c'est surtout la spéciale Guillaume Radio 2.0 en direct du tapis rouge jusqu'à minuit sur Energy. C'est à toi. Une minute. Vas-y. Bienvenue sur Energy, est-ce que ça va ce soir? Est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Est-ce que tout le monde a voté Black Artist de l'année? Il fait simplement. Avez-vous tous voté Black? Il est chaud. C'est le feu, on est en direct de Cannes, c'est le feu ce soir. Le public ne veut plus s'arrêter. Ah, ils sont chauds là. Le public ne s'arrête plus, ne me laisse pas animer. Et tu gères ça comme un animateur radio, mec. Ouais, pas encore, j'ai pas encore le truc que tu as toi, mais ça va venir. Je te vois en géant là. Ça va venir. Est-ce que tu penses que je dois aller donner les deux premières places sur la gauche? Alors attends, bouge pas, je vais voir le côté qui fait le plus de bruit. Je vais aller sur la gauche. C'est moyen. Ça c'est la gauche. Au milieu. Va sur la droite.
Alors attends. Est-ce que tu peux chanter une de mes chansons, s'il te plaît? Moi? Ouais, toi. Je veux que tu chantes une de mes chansons. Ah, c'est dit ma vie, vous avez l'air sérieux, là. Ouais, je veux t'entendre chanter sur ma route. Tu veux que je chante sur ma route? Ouais. Allez, Guillaume, vas-y, c'est quoi ce traquenard? Guillaume, arrête. Attends, a cappella comme ça? A cappella, gros. A cappella. Ah, mais je suis pas chanteur, moi. Ouais. Tu veux que je mette sur ma route? Ouais. Vas-y. Bon, est-ce que vous chantez avec moi, le public? Ok. Alors, vous voyez, de tout ce qu'a connu le festival depuis des dizaines d'années, c'est la chose la plus mauvaise que vous allez entendre sur le parvis du festival. Tu okay, es prêt? Vas-y, quand tu veux. Hein? Route, oui, élevez mon route, oui. Non, mais je suis une merde, moi. Route, oui, élevez le route. Plus fort. Sur ma route, oui. Le route, oui. Le route, oui. Je connais pas les paroles. Élevez le route. Sur ma route. Faites du bruit pour Black M. Très bien. Attends, tu veux que je te fasse Madame Babochko? Vas-y, je veux bien. Attention, Madame Babochko. Madame Babochko, oui. Madame Prison ou à l'hosto? Oui, Madame Babochko. Oui, je suis pas en prison ou à l'hosto? Tu l'as presque. Madame Babochko, oui. Madame Babochko. On arrête tout, stop. On arrête. Bravo. Franchement. C'est le meilleur. Franchement, on est bravo. Vous y avez vu que du feu. On aurait dit Black M, le vrai, tellement c'est bon. T'as vu? Ouais. Il y en a qui m'ont demandé des dédicaces Black M. Ils ont cru. Bon, on va aller filer des. Et surtout, bien joué à toi, surtout t'es venu la radio. Bravo. Quand tu viendras à Paris, on va te faire le jingle exprès. Ah ouais, bah oui. On va te faire un jingle en mode une minute. Voilà, tout ça pour toi. Alors, juste avant que tu nous fasses le live avec. Le prince Aladdin. Ce soir, 22h58 en direct. Juste, on va se faire un petit quiz. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'accord? Vas-y. Est-ce qu'on a les colliers électriques? J'aime. Oh non. Ah, ouais, les non. Encore. J'en ai marre. Alors attends. Ouais. En fait, on va en mettre un sur Julien, c'est-à-dire un sur Julien. Oh non, vraiment. Black M, tu veux pas essayer sérieux une fois? Non, attends, c'est sûr. Il a envie. Je vois son regard. Non, je vous regarde. Non mais sérieux, mec, t'as envie? Laisse-leur ça. Je vous laisse faire. Bon, on va te poser un petit quiz. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux, d'accord? Ça marche. Une jeune étudiante de 20 ans a réussi à créer un sushi de 120 mètres. 120 mètres. Attention. Une jeune étudiante. Ah, c'est long. On va faire les quiz. De 20 ans a réussi à créer un sushi de 120 mètres avec 250 000 poissons panés. Ah. Ça s'est passé la semaine dernière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, si tu te trompes, on va mettre un collier électrique sur JM du Standard dans un instant. Ah, je suis là. C'est complètement vrai. Et c'est complètement faux. Non, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu as. Tu je t'aimais bien en plus au début. Franchement, ça me fait presser à la tête et tout. Je connais tout, ça, je jure, j'aime bien. Voilà. Il est dégoûté. Alors, c'est un collier en plus. C'est un collier pour les chiens, tu vois. Non, tu vas pas appuyer toi. Non. Il a envie d'appuyer Black M. Non, attends. Il m'a écrit sur une feuille, j'ai envie d'appuyer. Tu vas appuyer? Non. Regarde, Maxime. S'appuie sur F, tu te trompes pas. S'il te plaît, pas maintenant. Si, t'as perdu. Fais pas sur conscience. J'ai appuyé une seule fois. Vas-y. Attends, mais j'avoue, c'est pas ta soirée. Non, mais attends, c'est pas ma soirée. Il est content d'être venu. Attention, deuxième question. Julien Stégir, on va lui mettre le collier. Ah, c'est à moi maintenant. On a porté plainte. Non, c'est pas ça. On a porté plainte la semaine dernière contre un père qui faisait manger des légumes verts à ses enfants. Et il faisait trop manger de légumes verts. C'est la maman qui aurait porté plainte contre le papa. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça s'est passé, c'est en France, hein. Ouais. Est-ce que ça s'est passé en France? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Eh ben c'était vrai. Ouais. Ouais. C'est lequel? Alors vas-y, t'appuies. Attends, il a combien? Te trompe pas. Non. Il a 3. Très bien. Vas-y, appuie sur en bas à gauche. En bas à gauche. Vas-y. Vas-y. Oh non, il est tombé sur la quête, il abuse. Franchement, ça fait mal. Tu sais que quand Pokora est venu co-animer l'émission avec moi, j'ai fait venir son sosie. J'ai fait une petite surprise, il y a son sosie qui est venu et on a fait un quiz. À chaque fois qu'il perdait, c'était sosie qui se faisait. J'en ai marre, je suis rentré, j'ai mal partout. attention, un petit dernier. On va s'écouter quoi après, JM du Standard? Ritsa, la Sedai. Ah, très bien, on va se le faire dans 2 minutes. Juste avant, bourré, il y a un homme qui s'est fait opérer à Las Vegas et qui s'est réveillé avec des faux seins. Oh.
tout ça s'est passé la semaine dernière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est encore pour JM du standard. Voilà. Alors attention, il y a la pression parce que si, si il a chanté un refrain et tout, si tu veux, je vais faire tout l'album, monsieur. C'est vrai. C'est vrai. Bourré, il se fait opérer à Las Vegas et se réveille avec des faux seins. Pour l'instant, Black M s'est trompé deux fois sur deux questions. Ouais, jamais deux. J'en ai une bonne réponse quand même. Un joker. Et Julien Stagiaire. S'il te plaît. Et ce soir, la réponse, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'est faux? Tu m'as dit que c'était vrai. Ouais, je t'ai dit c'était vrai. Eh ben, c'était encore faux. J'ai écouté les gens derrière, on m'a soufflé. Oh, non, mais... Attends, on m'a soufflé, je suis désolé. Non mais vraiment, j'ai des larmes qui commencent à couler tout. Tu veux appuyer toi-même? Non, vas-y, autant qu'à faire que tu le fasses. Vas-y. Allez, attends, compte à rebours. Le public, attention. Compte à rebours ensemble, attention. 3, 2, 1. Bon, tu vas en faire un dernier, juste à dire. Pour vous soyez à égalité, attention, dernière. Et ensuite, Black M va nous faire un live tout à l'heure de Prince d'Aladin. Attention, bourré en France, bourré, il fait encore demi-tour pour demander à la police à combien il s'est fait flasher. Vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai, c'est possible, il y a des oufs sur ce soir. Mais c'est-à-dire qu'il est bourré, le mec se fait flasher, il fait une marche arrière sur l'autoroute. Moi j'y crois, moi, en France il y a des gens. Il va voir la voiture banalisée, il leur dit excusez-moi, je peux pas voir la photo et à combien je me suis fait flasher. Vrai. Eh ben c'est vrai. J'y crois pas, tu m'as donné les réponses ou quoi? Mais non, mais attends, j'y peux rien, c'est impossible. Ça, c'est probable. Bon, pour vous soyez égalité, on va en faire un dernier exceptionnellement. Pas pour moi. Le public, est-ce qu'on en fait un dernier pour juste agir? Non, ils ont dit non. Allez, un dernier. Attention, un petit dernier. Attention, une scientifique allemande a réussi à créer un chewing-gum. Ça a été une avancée qu'ils ont annoncée la semaine dernière aussi. C'est que des infos qui ont moins de 7 jours. Une scientifique allemande a réussi à créer un chewing-gum qui tient 7 jours, avec du goût, l'équivalent de 7 jours. C'est-à-dire que tu peux le reprendre. Oh. Une matière, en fait, qui arrive à garder un goût et une odeur pendant 7 jours dans la bouche. Je dirais faux. Et c'est une bonne réponse. Depuis tout à l'heure, le pauvre, il transpire. Il a rien demandé. Mais dans un instant, Black M va nous faire le live. Et continuez. On peut encore voter ou pas là? Où les votes sont clos ce soir? Non, c'est clos ce soir. Ouais. Oh, ben écoute, il nous reste plus qu'à croiser les doigts pour toi, demain. Ouais. On va regarder sur TF1 demain. Black M qui est venu nous voir et qui est demain dans l'artiste masculin français de l'année. Il y a Black M en face de toi, il y a Kenji. Il y a Pokora et Soprano. Voilà. Ça va être dur en fait parce que c'est des copains à toi. J'imagine que vous connaissez un peu. Ouais, je les connais. Ouais. Vous charriez là-dessus? Vous envoyez des messages genre tiens, ou ça reste assez sobre? Non, même pas, non. Tranquille, on gagne, on perd, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Peu importe. Enfin, pour moi. Est-ce que vous venez stresser? Est-ce que vous venez stresser quand vous êtes à une cérémonie comme ça? Un peu, non. Est-ce que vous avez une petite boule au ventre en vous disant merde, est-ce que je vais repartir avec ou pas? Peut-être sur le coup. Peut-être sur le moment même, 5 minutes avant peut-être. Ouais. Mais sinon à la cool. Ouais, t'arrives pas en mode détaché non plus. Ouais, t'arrives pas, voilà. Bon, bah, on verra ça demain. On verra demain, tranquille. On croise les doigts pour tous les copains. Nous, c'est un peu difficile parce qu'on connaît un petit peu. C'est des potes. De toute façon, c'est vous qui avez voté. Hein. C'est ça. On s'écoute quoi, JM du Standard, avant de se faire le live de Prince d'Aladin? Ritza, là, c'est d'ailleurs. Eh ben, on se l'écoute maintenant. On se retrouve juste après, en direct, toujours sur les marches du Palais des Festivals. On vous file les places encore jusqu'à minuit, 22h minuit en direct. C'est Guillaume Radio 2.0 et notre ami Black M qui est là ce soir. Faites du bruit dehors, on vous entend toujours. Et on vous file les places dans 2 minutes. On va faire un jeu qui est énorme pour vous filer les places après ça. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse dans le fond. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse dans le fond. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, là c'est dingue,
t'as l'air avec me fixer. Au racket, t'as le salamello. Je veux juste des kiffs, c'est qui fait glisser. Perdre les bannes, classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe. C'est qu'il reste plus rien au buffet. Guillaume Radio 2.0 en direct de Cannes. De 22h à minuit sur NRJ. On l'embrasse avant. Salut. Greg était là. Il va être content quand il va envoyer le jingle. Allez, Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. On est en direct là tous les soirs sur NRJ de 22h à 1h. Là, on fait une spéciale Black M ce soir en bas du Palais des Festivals. On est en bas des marches. Ceux qui veulent venir, on est en bas à gauche. On vous file des places ce soir. Est-ce que je peux te donner, Black M, la lourde tâche d'aller choisir dans un instant quelqu'un pour avoir deux places? Ah, bien sûr. La pression, mec. Parce que on va finir avec ton live et tout, mais juste avant, je vais te demander. Alors, je sais que c'est un peu difficile pour un artiste parce que du coup, tu sais pas, t'as envie de faire plaisir à tout le monde. Bah oui. Bien sûr. Surtout que, bon, sans te mettre la pression, tu vois, il y en a qui sont venus depuis plusieurs heures. Ouais. Il y en a qui sont venus depuis ce matin. Bon, il y a beaucoup de mythos aussi. Il y a beaucoup de mythos. Ah, qui veulent des places. Alors, qui est vraiment là depuis ce matin, dehors? Les premiers rangs, je pense. Alors, et tu sais quoi? Est-ce que je peux te donner un micro sans fil? Vas-y, donne. Et tu vas me chercher une personne maintenant. On a plein de places à vous filer, là, dans la dernière demi-heure. Tiens, regarde. Tiens, fais ça. On va te filer aussi le casque, si tu veux l'entendre comme ça de l'extérieur. Alors, prends ton temps, on va vraiment prendre notre temps. Et Black M, il va aller devant maintenant. Je peux prendre mon temps? Vas-y. Jusqu'à minuit, mec. Prends ton temps. Ok. On va jusqu'à minuit. Black M qui va dehors. Bonsoir tout le monde. Est-ce que j'en ai un deuxième? Ah. Attends, je... Ouais. Oh là. Oh là là. Ah. Ils sont excités. Ah, ils sont chauds. Qui veut assister? Oh là là. Ah. C'est le moment de les faire les yeux pour le monde là. Est-ce que c'est pas plutôt à gauche, tu crois? Laisse-moi bien réfléchir. Va falloir que tu choisisses une personne pour repartir. Il y en a qui montent sur les épaules et tout, regarde. SBP des places. Alors, 838 km pour les places, regarde. 838 km. On est 800... C'est vrai ça, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. De où? Attends, je vais voir d'où vient juste. Questionne. On est en train de filer les places pour les Nations Musicales. Tu viens d'où? Périgueux. On est venu de Rouen. Ah, c'est vrai? Guillaume, c'est les deux filles de cet après-midi, les places. C'est compliqué. Il y en a qui viennent de Picardie, quand même. Ah, c'est loin, j'avoue. Regarde. 5 ans d'émission chez Koyonema. Offrez-nous des places. À droite, Bergerac. Il y en a qui viennent de Bergerac, en 24. Attends, là-bas, pour mon avis, c'est 450 km, une place pour l'Energy Musical. Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Alors, attends. Tu me les ramènes? Attends, je vais mettre la petite musique. Et tu vas choisir maintenant qui tu veux. Alors, attention. Là, ça y est. Musique de pression. Le suspense. On est en direct sur l'Energy avec nous. Avec Black M. Je suis hésitant. Mais, le pauvre, franchement, j'ai pas envie d'être à ta place parce que je suis une personne. Regarde, il a des jolis yeux, regarde, il pleure. Qui, où tu vois qui pleure?
Mais à gauche, il y en a une autre qui pleure aussi là-bas. Regarde, tu vois, où tu vois des gens pleurer, je vois pas des gens pleurer. Regarde. Enfin, elle fait semblant de pleurer. C'est pas des larmes. Non, c'est des comédiens, c'est bon. C'est un truc bizarre. Black M, il veut des gens qui pleurent, les gars. Ils sont où, les mecs qui pleurent? Non, franchement, c'est compliqué. Il y a des Suisses qui sont venus de Suisse, regarde. Oh, vous m'avez mis dans un truc, c'est compliqué votre invitation. À tous les artistes donnent deux places. Votre histoire est compliquée. L'Energy Music Awards, on est en direct. C'est quoi? Black M est sur scène, il y a plein de gens. Tout le monde veut des places. En réalité, elle, avec son panneau, 5 ans d'émission chez Koé au NMA. Sans gagner de place. Une place. Et ben c'est pas chez Koé que tu vas les gagner, c'est chez Guillaume Radio 2.0. Voilà, voilà. Allez, on va te passer, Viens, mon ami. Allez, viens. Ah, il faut faire le tour. Attends, tu veux quoi? Tu veux la porter, non? Attends. Il va faire tu veux faire quoi? Ok, vas-y, mon pote. Vas-y. Vous les suivez avec le monsieur. Vas-y, viens. Black M qui a choisi. Attention, et dans 5 minutes, il y aura d'autres places. On en a jusqu'à minuit après, il y en aura tout le temps jusqu'à minuit. Regarde là, il y a des vraies larmes. Eh mais c'est ça qui est dur quand tu dois donner des places, c'est qu'il faut faire plaisir à tout le monde. C'est compliqué, hein, votre histoire. Tu reviens ici? De quoi? Ouais, viens, à l'intérieur. C'est quoi? Viens, on va à l'intérieur. On va voir, donc, on va filer les places juste avant que tu nous fasses ton live. Daladin et Black M. Allez, juste avant de faire le live, il a filé deux places. On va les retrouver dans le studio dans un instant, on va se faire. Le prince Aladdin dans un instant. Ouais. Le vrai casque, voilà, c'est bon. Allez, attends, ils sont où les deux gagnants là? Tiens, venez là les amis, venez là, mettez vos micros. Ouais. Eh mais c'est dur de choisir. Je sais. Wow. Alors, tiens, ils savent pas. Alors là, ils doivent pas comprendre d'un coup, ils se retrouvent ici dans le studio. Bon, c'est quoi vos prénoms les amis? Alors attends, vous ressemblez bien. On va bien monter. Ouais. Mélissa et Jonathan, ouais. Vous êtes frères? Frères et sœurs. Oui. Ah, j'aurais pas dit comme ça. Tu trouves? Ah ouais. Attends, ah oui, c'est vrai. Ah ouais, grave, la bouche. Bon, vous venez d'où les amis? De Paris. De Paris? Ouais. Non, la c'est capitale. Pas vrai. Comment? C'est vrai? Oui, mais c'est vous êtes venu de Paris sans place? Bah oui. Comme ça, le Paris était risqué. Tous les ans, on vient sans place. Et vous avez jamais gagné? Bah non. Et ça fait 5 ans que vous venez chez Koé. Pour essayer d'avoir des places. Et soufflé. Bois un verre. Depuis je sais pas combien de temps, on est en train de crier, de faire tout ce qu'on peut pour. Merci Black M. Ah là là. Et c'est Black M qui a choisi, bien sûr. En plus, on t'adore de base. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous avez voté pour lui? On aurait peut-être dû commencer par ça. Ah ouais. Est-ce que vous avez voté pour lui? J'ai voté pour lui déjà. C'est vrai? Ouais. Après, j'ai alterné parce qu'il y a plusieurs artistes que j'aime bien. Hey, j'ai voté pour toi. C'est pas une vraie. Ah. Est-ce qu'on peut recommencer? Bon, alors écoute, on va vous filer donc à chacun une place. Qu'est-ce qu'il y a? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah, tu veux de l'eau en plus? Non, mais alors attends, alors là. Attends, mais bien sûr, je crois qu'on a des bouteilles. Vous faites quoi dans la vie tous les deux là, les gars? Toi, tu fais quoi? Tiens, on va commencer par. Je suis étudiante, je suis en commerce. En commerce? Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans? Ouais. Et toi? 17, je suis. Je t'emmerde en fait. Ah les gars, vous allez assister demain à la cérémonie musicale de l'année. Ah ouais. Vous allez passer devant sur le tapis rouge. Ouais. Est-ce que Black M ne sait pas, c'est que vous allez arriver sur ses épaules devant les photographes et voilà, ça, avec des petits packages, etc. Bon, allez, vous pouvez lui dire merci une dernière fois. Merci beaucoup. De rien. Et puis merci à vous. On vous met en photo ensemble dans un instant. Okay. On va s'envoyer un morceau et juste après tu nous fais ton live. Tu nous fais plaisir avant de partir et nous fais le prince Aladdin. Est-ce que dehors vous voulez entendre Black M en live, un vrai chanteur? Parce que avant j'ai essayé de le faire et on a vu que ça marchait pas, etc. On s'écoute quoi, Gilles Sornard? Zeko l'amour toujours. Bon bah on s'écoute Zeko l'amour toujours et juste après on s'écoute Black M en version Aladdin. Yes. Juste après ça sur Energy, à tout de suite tout le monde en direct des Energy Music Awards. Ah non, il a pas le morceau. Ah mais en fait tu me dis de la merde, Gilles Sornard. C'est pas. Ils disent que lui. Et c'est quoi? Et Baptiste appareil qui est réalisateur. Mais ce que tu veux mon ami, de toute façon c'est de la musique. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Ouais, attends, c'est 2 secondes. Vas-y, mais prends. Il était pas calé, attends, bouge pas. Non, mais vas-y, mais si t'as autre chose, mais une autre chose, on s'en fout. Est-ce qu'un petit Ed Sheeran nous ferait plaisir? Mais un petit Ed Sheeran nous ferait très plaisir, surtout qu'il est là demain au Energy Music Awards. On se le retrouve maintenant sur Energy juste après. Le temps que Black M mette un micro, tout ça, on met tout le truc dehors. Vous pouvez venir le voir si vous êtes pas très loin à Cannes, il est en bas du palais des festivals, il y a les marches. On est juste à gauche. Black M en live dans un instant, juste après Ed Sheeran, du coup, à tout de suite sur Energy. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. These memories
for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul. Festival. Guillaume Radio 2.0, spécial Energy Music Awards. Jusqu'à minuit. Allez. Sur Energy. Ah merde, je m'entends pas. Voilà, de retour sur Energy. Bonne soirée tout le monde. Spécial Energy Music Awards de 22h à minuit. On est là. Dehors, il y en a qui attendent encore leur place. Ils attendent aussi le live de Black M dans un instant. Renversant Aladdin. Il va nous le faire. Yes. Et on va juste envoyer 3 minutes de pub pour porter le temps, d'accord, pour pas qu'on se dépêche juste. Et il y avait Alexis, 28 ans. Tu m'entends à Bruxelles? Allô. Ah, ça va Alexis, bienvenue Alexis. Ça va, ça va, ça va. Au bout d'une heure 19, le premier mec au téléphone, on a eu, il y avait un qui marchait ce soir. Ça va ou quoi mon pote? Oui, j'aimerais savoir quelle est la série télévisée préférée Black M. Et Attends, une question. Il n'est pas obligé de dire Plus belle la vie. Même avec le roman de Rachel Barthes. Ah oui, parce que toi t'adores Plus belle la vie, c'est ça? Ah ouais. Ouais, voilà. Ah, tu es fan de Plus belle. Alors, quelle est ta série télé préférée? À part Plus belle la vie, on a compris, ouais. Alexis. Hein. La famille d'abord. Ouais. La famille d'abord. Ah ouais. Tu regardes pas tout ce qui est. Est-ce qu'il y en a qui regardent Walking Dead? Est-ce qu'il y en a qui regardent Walking Dead? Ah, la partie droite. Est-ce qu'il y en a qui regardent Oh, I Meet Your Mother? Ah, il y en a une. Voilà, il y en a une. Attends, hey, tu regardes pas trop de séries américaines? Non, pas trop. Moi, je suis à l'ancienne. La famille d'abord, ça date un peu. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ouais. Un peu. Attends, t'as pas trop le temps peut-être de mater sur des Breaking Bad. Breaking Bad aussi, c'est pas mal. Breaking Bad. Ouais, j'ai regardé un peu ça. Ouais. T'as pas Netflix en fait, c'est ça? T'es pas sur Netflix? Non. Pour mater des, séries, parce que tu les vois tout de suite ceux qui bouffent de la série toute la journée. Dans un instant, le live de Black M. On s'envoie juste la pub et tu nous le fais après, d'accord? On revient juste après 3 minutes de pub. Bougez pas, live de Black M. On file des places devant l'Energy Music Awards. À tout de suite. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire à 7h05, 8h05 et 9h05. Allô Laetitia? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oh, t'es contente, hein? C'est génial! Laetitia, chaque mois tu touches 1 419 €. C'est ça. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher, écoute-moi bien, 2 838 €. Bah, c'est génial, bah, merci beaucoup quand tu es comme ça parce que vous faites vraiment du bien aux gens et c'est énorme. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur energie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, de tú no me buscas. But you'll get me tonight. Energie, it's music only. De l'émission qui change le plus souvent de jour et d'horaire est attribué à Guillaume Radio 2.0 pour le 22h minuit en direct de Cannes de ce soir. Et on en a encore des places à offrir. Ça va toujours tout le monde en direct de Cannes. On va vous filer les places pour Energy Music. Il y en a qui attendent depuis longtemps là-bas. La barrière, je sais. Et je sais aussi qu'il y en a qui sont derrière là-bas et qui attendent depuis ce matin. Je sais. Et il y en a plein qui m'ont demandé. On a encore des places. On va finir, c'est pour ça qu'on reste jusqu'à minuit. Black M est venu avec nous. Est-ce que t'es prêt pour faire ton live, Black M? Ouais, je suis prêt. C'est bon, tu t'entends bien, tout marche? Je suis prêt, si le public est prêt, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts pour Black M? Yeah. Attends, on va refaire. Est-ce que vous êtes prêts pour Black M, les gars? Pour qu'il nous fasse le prince Aladdin, c'est quoi mon pote, je te laisse. On va envoyer la musique derrière. Défoncez tout, mettez l'ambiance en direct. La veille des Energy Music Awards avec Black M. Ok, Big Black. Mais qui est cette homme? Tout le monde la met en l'air. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Ouais, c'est bon, je l'ai. Les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Ok. Oye, oye, habitants de Bagdad. Aladdin arrive, vous n'êtes pas là. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le ch... Prétendant, si tu l'es, je te conseille de baisser les airs. Oye, oye, habitants de Bagdad. Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Vendez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme des empereurs. Il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre, il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant d'avoir quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 fameux accompagné de très chers de feu. Il est même vu qu'il a un ami génie qui exauce les feux. Si Jean-Michel y pense déjà,
Il vend du rêve, posé sur son dromadaire, poussé bouille, tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande qui c'est. Chouf ses diamants, son or, ses cheveux lissés. Le prétendant, tous nazes, limite insultant. Inclinez-vous ou allez tous prévenir le sultan. Prince Chalia, voilà Aladdin, le prince ou le mon amant, le. Poussez-vous, faites place au plus riche des princes Aladdin. Tout le monde dit le prince, tout le monde dit le prince. Quand je dis Aladdin, tout le monde dit le prince. Tout le monde dit le prince, tout le monde dit le prince. Ça fait A-L-A-D-I-N. Est-ce que vous êtes vraiment chaud ce soir? Tu sens qu'il a une petite haine. Quand j'arrive à Bagdad, y'a problème. Mandara, papa, what's my name? Ça fait A-L-A-D-I-N. Le vizir, tu sens qu'il a une petite haine. Je suis à Bagdad, présent pour ceux qui m'aiment. Tout le monde l'a mangé. Poussez-vous, faites place au plus riche des princes Aladdin. Merci. Allez avec notre pote Black. Faites du bruit pour Black M, les gars. Merci à tous, merci. Merci beaucoup mec d'être venu. Plaisir, merci à toi. Plaisir d'être là avec toi en bas de ces marches et de cette immense bâche pour l'énergie Music Off. On te souhaite le meilleur pour demain. Merci. On espère que ça va cartonner. On espère que tu vas être la révélation artiste masculin. Ouais. Bonne chance mec. De l'année. On croise les doigts. J'espère que la voyante avait raison. On verra bien. elle nous a dit ça tout à l'heure avec ça allait être toi. Donc voilà, on fera une petite vidéo YouTube demain pour rigoler si oui ou non ça a cartonné, etc. Mais merci beaucoup d'être venu. Merci. On va remercier Black M, les gars. Black M. Merci tout le monde. Merci beaucoup poto. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Tous, parce que je sais que t'as un truc après. Il y a plein de soirées un peu partout pour l'Energy Music Awards. On va choisir. Ce soir, on est en direct sur Energy de 22h à minuit. Et le dernier quart d'heure, on va filer des places. Mais vous êtes un tout petit peu trop pour en filer à tout le monde. Il y a du monde là. Hein. Alors, dans un instant. Attendez. Ça crie très fort. Juste, dans un instant. Je vais prendre 5 d'entre vous. On va en prendre là-bas. Et on va vous filer des places pour l'Energy Music Awards. C'est les tout derniers tickets. C'est les derniers. On a les enveloppes qui sont là-bas. C'est les dernières places pour l'Energy Music Awards. Alors, je vais stagiaire. Ouais, tu vas aller vers la gauche. À la gauche, fais du bruit pour l'Energy Music Awards. Pas de soucis, Guillaume. On va aller. Je vais en prendre 5 d'entre vous. Attendez. Je sais dire dans un instant, tu vas en prendre un à gauche. Ouais. C'est la fin de l'émission dans un instant. Ouais. Les amis, j'ai envie de vous les donner à tous. On va distribuer les dernières places. Julien Stagiaire va venir chercher 5 d'entre vous ici. J'en prends 5 pour vous filer. Non, attends, dans un instant. Est-ce qu'il y a la pub là? Il y a la pub. On se retrouve dans 30 secondes juste après la pub avec 5 d'entre eux. On va faire un jeu avec eux et ils vont partir avec les dernières places d'Energy Music Awards en direct de Cannes. Guillaume Radio 2.0, à tout de suite tout le monde. Payez vos invitations pour les Energy Music Awards toute la journée sur Energy.
dès que vous entendez le double hit Énergie avec Kenji et Louane à la suite. Appelez Énergie 3937. Bonsoir Ken. Venez assister avec la personne de votre choix au Energy Music Awards. Vous serez en plus sélectionné pour gagner par tirage au sort la nouvelle Renault Twingo édition One. Energy. It's Music Only. Compte nickel. Pendant deux heures, Guillaume Radio 2.0 s'installe sur le tapis rouge du Palais des Festivals pour les Energy Music Awards. On est de retour sur Energy. Je suis désolé pour le son, il y a beaucoup de monde. Voilà, ce soir pour les Energy Music Awards, on a 5 personnes. Dans un instant, je viens de saisir. J'aime le standard. Ouais, on prend 5 personnes dans le public. On va faire un jeu. C'est les dernières places pour les NMA, c'est-à-dire que c'est la dernière possibilité d'aller, d'avoir les derniers tickets. Je viens stagiaire. Ouais. Tu vas t'occuper de la partie gauche dans un instant. Ouais. J'aime la partie droite. On va prendre les 5. Ouais. On s'envoie DJ LBR et dans un instant on va faire les dernières places d'Energy Music Awards. On va faire une course d'orientation. Ouais. Je vais envoyer, je viens stagiaire, puis j'aime le standard. Je suis là. Dans Cannes, vous allez devoir me ramener des objets le plus vite possible. Ouais. On va faire une course dans un instant. On s'envoie DJ LBR et on se retrouve juste après. DJ LBR avec les dernières places pour l'Energy Music Awards à offrir maintenant devant le Palais des Festivals sur Energy. À tout de suite tout le monde.
Radio 2.0, spécial Energy Music Awards. En direct. Allez, de Cannes de 22h à minuit. Il y en a qui attendent d'avoir des places. Et on va filer les dernières places dans un instant sur Energy. Je vous rappelle que demain, le Energy Music Awards, on avait il y en a un instant Black M. Attends, je vais mettre la musique de Black M. Regarde, on va mettre le petit. Voilà. Qui sera demain confronté à. J'aime juste un prends un micro sans fil deux secondes avant de faire la course d'orientation et de filer dernière place. Tu vas aller devant le public là, vas-y. Ouais. Vas-y, prends le micro. Allez, sans ouais, fil. C'est parti. Attends, juste pour savoir. Attends, on va faire un petit applaudimètre avec ton micro. Ouais, là c'est bon. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus de fans de Black M? On va voir si ça peut dire. Est-ce qu'il y a plus de fans de Kenji? Est-ce qu'il y aura plus de fans demain de M. Pokora? C'est un truc de fou. Ou est-ce qu'il y a plus de fans du poteau aussi? Soprano. Ah, c'est sérieux. C'est tout doux. On verra ça demain. Il y a, dans les artistes féminines demain, Christine and the Queen, il y aura un cœur de pirate. Indila. Shaim. Et on a toutes les catégories. Et dans les. Alors, il y a un truc qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est les révélations francophones. Ah ouais, aussi. Est-ce ouais. que c'est plus. Devant le palais des festivals d'Energy Music Awards, Guillaume Radio 2.0, si vous arrivez de 22h à minuit. J'ai mis standard avec ta micro sans fil. Est-ce qu'il y a plus de fans de Nekfeu? Plus de Lilian Renaud. Où est-ce qu'il y a plus demain, on va voir dans la version francophone de l'année de Louane. Oh là. Non mais, en fait, j'ai. En fait, j'aime du standard, t'as pas compris. Ouais. Ils veulent juste des places devant toi. Ah ouais, bah, c'est pour moi. Ah, oh, c'est pas pour moi. Attends, c'est pas pour moi. Non, t'es dans le public là, t'as pas compris. Alors. Est-ce que t'es en direct par téléphone aussi? Aussi ouais, j'ai le de Guillaume. Alors, on va faire un petit jeu ouais. derrière là, devant l'esplanade, là, on est juste sur le tapis rouge en fait des Energy Music Awards. Ouais. On va faire un petit jeu rapidement en direct sur Energy. J'ai un stagiaire, est-ce qu'il m'entend ou pas? Normalement. Ouais, je t'entends Guillaume. Tu m'entends? Ouais, alors. J'espère. Ah par contre, c'est. Ah c'est parti, en bas, c'est qui a lancé ça? C'est pas moi, je te promets, c'est pas moi. Avant de vous filer, avant de vous filer les dernières places, j'ai préparé 5 coffrets cadeaux, c'est les 5 derniers. Ouais. JM du standard, tu vas les choisir dans un instant. Juste avant, on va commencer par toi, JM stagiaire. Ouais. Tu es où? T'es par téléphone? Ouais, je suis par téléphone, ouais. Ok, je te propose un truc, JM stagiaire. Ouais. On va mettre un chronomètre. D'accord. JM du standard, reviens. On va faire un dernier jeu avant de filer les places. Tu m'entends, JM stagiaire?
Ah non, attends. Il est en soirée, je crois. Tu m'entends ou pas? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, je suis là. Ok, ok, ok. On va faire un dernier jeu si tu veux bien. Je vais chronométrer, tu vas aller me chercher trois choses. T'as le droit d'aller dans le public. Attends, enlève le. Ah oui, il faut que tu t'écartes un petit peu, faut que t'ailles loin. Regarde, va loin, va loin, va loin. Parce que là, en fait, si tu restes sur l'esplanade, ça va faire. Il y a Julien Stagiaire qui est dans la rue. On va mettre un chronomètre. Il y a un caméraman qui est sûr, mettra la vidéo sur YouTube aussi. Tu vas devoir aller me chercher trois objets le plus vite possible, ok? C'est quoi les objets, Guillaume? Attends, je vais te les dire au fur et à mesure. Attends. Des trucs simples, genre des chaussures, des trucs sympas, parce que là. Y a un pistolet de policier. Non, je rigole, c'est le truc. Non, tu fais ma mort, toi. Attends. C'est le jeu qui tournait. On dirait que demain on est sur le site de Morandini. Voilà. On est mort. Non, alors vas-y, on y va. Est-ce que à partir du moment où tu me dis top, tu pars écoute, en courant, je te donne trois objets à me ramener le plus rapidement possible dans la ville de Cannes, d'accord? Ouais, ça marche. Est-ce que t'es prêt? Faudrait que Jim Jean parte au même endroit que toi. Ouais, je mets un chrono aussi. Ouais, mets le chrono parce que Jim Jean a envie de gagner, donc il va promettre à la seconde. Ouais, c'est ça, tu vois. Julien Stagiaire. Ouais. À partir du moment où quand je te dis un objet, tu me dis c'est bon, je t'en donne un deuxième et un troisième et tu reviens, d'accord? Attends, mais là il y a personne, donc attends. Ah bah c'est pas bon. Attends, il y a trois gens là-bas, il y a des meufs. Attention, prépare-toi. Je viens 3, 2, 1. Ok. Je veux un rouge à lèvres. Maintenant. Ouais, il y a des meufs. Ouais. Excusez-moi les. Non, en direct, c'est énergie, il faudra un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Et je t'adore. Ouais. C'est bon. Ok. Allez, il me faut une paille. Je vais essayer une paille. Ah putain. C'est compliqué la paille. Ah, il y a un bar ou pas là? Ouais, il faut que tu cours. Il y a des restaurants et des bars, etc. Ouais. Tu rentres dans Allez, allez, allez. Je cours. À combien on est là? Là, on a 25 secondes. 25. On file les dernières places. On fait une petite course dans la ville de Cannes. Il faut ramener 3 objets. JM du standard va défier Julien Stagiaire. Trop chaud là. Il y a un hôtel. Rentre dans l'hôtel. C'est compliqué. Quel hôtel? Comment il s'appelle? C'est le Majestic. Ok, Majestic. Hôtel. Vas-y. Hôtel Grand Luxe. Rentre. Demande une paille à l'accueil. Dictation. Il est où le bar? Dépêche-toi. On est en direct sur NRJ. J'ai besoin d'une paille. 50 secondes. J'ai besoin d'une paille. Une paille. 54 secondes. T'es en train de prendre du retard. Le bar, il est où, s'il vous plaît? On fait une course de rapidité. Le bar, il est en haut. Merci. Ah, ça. Il monte au bar. T'es dans le bar du Majestic. C'est fort, ça. Bonsoir, le bar. On est en direct sur NRJ. J'ai besoin d'une paille. J'ai besoin d'un rouge à lèvres. Je l'ai eu. Putain. Je vais tout prendre. Oh, viens. J'ai un lot de paille, mais c'est bon. Tu l'as ou pas? Une caisse. Ouais. Attention, il faut que tu fasses klaxonner une voiture pour terminer. Ah, et à partir du moment où tu as klaxonné une voiture, c'est terminé. D'accord. Mais écoute, attends. Vas-y. Au revoir, messieurs dames, merci pour l'accueil. Fais-moi. Merci pour les pailles. Et vive l'énergie. Allez, fais-moi klaxonner une voiture. Ouais. Ah, ça y est. 35. On est champion. Non, reviens, Julien Stagiaire en courant. Okay. 1,35 et 99 centimes. Ok. JM du standard, prépare-toi. Allez, j'y vais, Guillaume. Est-ce que ça vous dit que je donne des objets un peu plus difficiles à JM du standard? Non. Est-ce que ça vous dit que je donne des objets un peu sexuels à JM du standard? Non. Eh ben alors, mets-toi là-bas avec ton kit main libre. On s'envoie quoi, JM du standard? DJ Snake, DJ Snake. Allez, on se fait DJ Snake. Juste après, on termine la course d'orientation dans la ville de Cannes. Mais ta gueule un peu. Allez, reviens. Qu'est-ce qu'il fait, mais déjà? Je sais pas. Allez, 1,35, on se retrouve dans 2 minutes en direct après DJ Snake sur Energy pour terminer l'émission d'Energy Music Awards. On prend 5 d'entre vous juste après DJ Snake. C'est maintenant, on les file, les dernières places pour l'Energy Music Awards sur Energy. C'est l'endroit où on les a. Turn back the time to make it all alright.
Ils se sont endormis à 6h du matin en essayant de faire un nœud de cravate correct. C'est pas grave les gars, vous ferez mieux l'année prochaine. Guillaume Radio 2.0, 22h minuit, en direct de Cannes pour les Energy Music Awards. Allez, de retour sur Energy pour cette émission spéciale Energy Music Awards. Je vais mettre ma petite musique angoissante. Ah, on va se faire peur. Voilà, on va mettre juste cette petite, mais on va couper l'autre musique si on veut bien. Je vais mettre ma petite musique angoissante dans un instant, on va la monter fort. Je vais choisir 5 personnes dans le public, je n'ai pas le choix, je peux pas prendre plus. Ah, c'est dur. Ça va être compliqué là. Pour la cérémonie d'Energy Music Awards demain qui sera sur TF1, avec Adele, avec Justin Bieber. Ed Sheeran. Alors, juste, bien entendu, quand on file des places pour les Energy Music Awards, sachez que vous allez passer sur le tapis rouge. La pression. Vous allez passer avec les artistes. Vous allez rencontrer les artistes. Alors, je sais qu'il y a Coldplay, il y a plein d'artistes demain. Alors, on va en choisir 5. Je vous dis sortir parce qu'on n'entend rien sinon. Juste, Amina du Standard, oui. Tu vas aller dehors. Oh, la pression. Et je vais te rejoindre dans 2 minutes, okay. D'accord. Tu vas prendre un micro sans fil, là je vais te rejoindre. Bonne chance. Hein. Tu vas choisir toi, 5 personnes. C'est Amina du Standard qui va venir devant. Oh là là. Et tu attends que j'arrive hein, avant de choisir. Ok, tiens, mais équipe-toi. D'abord, on termine. Hop, mon micro. JM du Standard, est-ce que tu m'entends? Pour le dernier jeu, est-ce que tu m'entends? Ah non, il m'entend pas. Ah, il y a un bug. JM du Standard. Oui. Cool. Ah, ouais, cool. C'est bon? Alors, JM du Standard, on va terminer. Ouais, Julien Stagiaire a mis 1 minute 35 tout ouais. à l'heure. Ah, je suis soufflé, ouais, je suis mort. Pour faire la course d'orientation. Est-ce que t'as un chronomètre, ouais. Julien ouais, Stagiaire? Attends, on va mettre le chronomètre à zéro et dès que tu commences, c'est parti. Allez. JM du Standard, j'ai 3 objets à te demander. Ok, pas des objets trop du rigueur, machin. Julien Stagiaire a eu une paille, ouais. Un rouge ouais. à lèvres ouais. et faire klaxonner une voiture. Ouais. On a tout filmé pour vous mettre sur ma chaîne YouTube Guillaume Play Pellegrin. Ouais, attends, attends, reviens, ouais, reviens, ouais. reviens, 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 Minus. Ah oui, que... non, on va fermer la porte, juste 2 minutes pour terminer. Juste 2 minutes. À partir du moment où je te dis top, tu dois me ramener 3 choses dans la ville de Cannes en courant par téléphone, d'accord? Ouais, chance, Guillaume, ouais, ouais. Moins d'une minute 35. Le public m'a demandé tout à l'heure, tous ceux qui sont devant, qui sont venus nous faire, tous les amis qui sont venus nous voir ce soir, m'ont demandé de te donner des objets un petit peu plus durs et même certains un peu sexuels. Ah, mais là, il n'y a pas grand monde là. Alors attention, attention, dès que je te dis top, tu pars, d'accord? Ouais. Et tu nous fais attention, top une capote pour commencer s'il te plaît. Les gars, vous avez oh pas des capotes, s'il vous plaît, face à la radio là, il faut que je rate une capote. T'as pas une capote sur toi? Non, vous avez pas une capote, les gars. Oh les gars, vous avez pas des capotes. Bizarre, oh les gars, vous avez rien trouvé ça ou quoi? Oh les gars, il faut des capotes. Oh les gars, oh les gars, t'as une capote ou pas? T'as une capote ou pas? Capote, capote, j'ai une capote, tu dis sur ma bouche. Je l'ai gueule, je l'ai gueule. Tu l'as, ok, ok. Maintenant, il me faut que tu mettes énergie à quelqu'un dans une voiture. Faut que tu rentres dans une voiture. Énergie, énergie, ok, énergie, énergie, énergie. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Oh, monsieur, je peux mettre énergie, s'il vous plaît. Allez, tu cours. Vite. Énergie. Vite. Vas-y. Allume énergie dans la voiture. Ouais. Il faut que je m'entende. Je m'entends pas en écho. On s'entend? Ah non, c'est bon. Ressors, Julien. Ça fait penser à l'île au trésor là. Ouais. Et après, pour terminer, alors. Tu te un démerdes. Truc dur. Vous voulez un truc dur, le public? Ouais. Il veut un truc dur. JM du Standard, tu me prends une casquette à un policier en courant et tu reviens à la radio. Non, mais il va s'en arrêter. À quelqu'un d'autre, peut-être pas un policier. C'est un garde à vue quand même. Eh, JM du Standard, c'est toi qui as en garde à vue, c'est pas moi. Et on n'a pas d'avocat, on s'en fout. À la Benzema, JM du Standard. À la Benzema. Allez, vite. Attends, vite. Faut que t'arrêtes. Non, je veux la voir, On va la voir. Combien? Une 22. Attends, je veux la voir dans le studio, JM du Standard. Tu reviens. Attends, je sais pas où tu es. Vas-y, reviens dans le studio. Non, reviens. T'es où? Il est où? Parle. Passe sur les barrières, JM du Standard. Passe sur les barrières. La clé. Bravo. C'est le vrai. Ah, il a eu la casquette à la police. Bien joué, bravo. Bien joué. Combien je viens de saisir? C'est une 22 et 25 centimes. Et c'est donc JM du Standard qui gagne ce soir le jeu. Eh mais dis donc, bien joué, JM du Standard. Merci. On a commencé, on le fait. À la bien. On a combo des blocs, on le fait. À la bien. Pour les sûrs qui se préservent, on le fait. Allez, JM du Standard. Attends, il faut la ramener, c'est ça? Ah ouais. Merci à la police. Merci pour ce cadeau, la police. Ah, c'est bon, il faut que tu la ramènes, non? Ah ouais. Bon, je la mets comme une tag. Big up.
Hey, on vous la ramène demain. Est-ce qu'on peut la garder pour la soirée ce soir? S'il vous plaît, il va rentrer gratuit en soirée. Ah ouais. On est en direct des Energy Music Awards, il est 23h54. C'est le moment de filer maintenant. Ah là là. Avant de terminer et de laisser la place, dans 5 minutes. Qui c'est qui mixe Jim du Standard? De minuit à 2h, il y a Tiesto, Guillaume. De 2h à 4h, il y a Armin Van Buren. Et de 4 à 6, il y a Steve Aoki. Ouais. Voilà, donc ça c'est les DJ qui arrivent. Donc, Tiesto, je vais prendre le micro sans fil maintenant. Hop, et je vais aller dans le public. On va prendre Amina du Standard, c'est le moment. Les toutes dernières places, les toutes dernières. Alors, c'est maintenant, On va filer les 5 dernières places. Amina du Standard. Ah, c'est dur. Tu vas m'en choisir 5 si tu veux bien. Ok. Un là-bas, un là, et un là. Je peux pas choisir, c'est dur. Oh là là, les problèmes. Allez. On va filer les 5 dernières places. C'est pas moi, c'est. Viens ici, Amina du Standard. Viens. Oh là là, non, ça c'est dur, arrête. On file les 5 dernières places. Oh bordel. Non, attends. Je sais. Allez, choisis. Oh là là. Allez, je m'en viens. On va filer. Ah, sérieux, 5 places. Si, c'est pas quoi faire. Démerde-toi, bien ça. Attends. Tu viens d'où? Annabelle. Je m'appelle Annabelle. Tu viens d'où? J'habite à une demi-heure d'ici. Tu l'as bon? Ouais. Très bien, viens avec moi. Avec son cahier, C'est dur. C'est les toutes dernières places. Le plus jeune. Attention, on va faire un jeu à l'intérieur. Amina du Standard, tu choisis. Il y en a qui viennent de 838 km. Oh là là. Il y en a qui viennent de très loin. Oh là 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 là, je sais pas ce que je dois faire. Il y a 1000 km, 838 km. Pour terminer l'émission ce soir sur Énergie. Oh là là là. Attendez. Voir Justin Bieber demain au Energy Music Awards. Oh là là. Qui va marcher sur le tapis rouge demain au Energy Music Awards. Ouais, c'est dur. L'événement musical de l'année. Oh là là, demain, c'est énorme. Amina du Standard, vas-y rapidement. Tiens, la petite. Allez, viens. Je m'appelle Célia Barot et je viens de Picardie. Allez, viens. Fais le tour. Amina du Standard, vas-y rapidement. Ça me fond le cœur. Amina prend un garçon. Ouais, okay. un garçon. Oh là là, vous venez d'où? De loin? Ah, c'est très dur. Non, mais c'est très dur à choisir. Vas-y. Comment tu t'appelles? Kevin. Tu viens d'où? Ça marche en forêt. J'ai demandé à Amina du Standard et en public. Allez, viens. Ouais. Amina du Standard, encore deux. Ils vont participer à un jeu pour jouer ce soir. C'est cruel là. Ouais. Ah ouais. Oh là là, je sais pas comment faire. Rapidement. Ok, tu viens d'où? Sarah. Oh, elle est bien. Oh, Bichette. Ah, prends-la. Tu viens d'où? Il y a encore un jeu à faire. Il y a un jeu à faire, c'est pas gagné. Comment tu t'appelles? Maël. Bon, viens Maël. Allez, viens, fais la cinquième. Attends. Tu n'as pas gagné, on va faire un tirage au sort parmi les cinq. Tiens, on va donner à Maël, ok? Je peux jouer de Maël? C'est dur. Allez, viens, Amina du Standard, ça y est? Ouais, ça y est. Elle est en train d'arriver. Allez, venez. On va faire le jeu avec les cinq derniers, là. Voilà, les cinq derniers. Il nous reste 2 minutes d'émission. Allez, hop, j'ai mon micro ici, voilà, et je vais filer les dernières places. Je rappelle qu'il y aura des places encore demain, entre 10h et midi avec Manu. Ça sera la toute dernière chance, ils ont gardé, je crois, 2 places pour demain matin. Mais là, il nous reste, je vous explique, j'ai 5 coffrets devant moi, un seul à les places. Ah, il y en a qu'un qui va gagner, quoi. Ah non, mais c'est très cruel. On va mettre les 5 coffrets. Tu vas les mettre. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5 ici. On va les positionner de 1 à 5. Ils n'ont pas le droit de les ouvrir, évidemment. On va bien les fermer. C'est les coffrets de notre livre. Toi, t'es tellement con. L'édition collector, voilà, qui sort le 12. Et on a mis à l'intérieur. On les a reçus en exclu. Et on a mis à l'intérieur 4 tickets perdus. Un seul ticket gagnant. Celui qui aura. Venez, les premiers arrivés, là. On va vous filer. Tiens, mettez-vous au micro, les filles. On va te filer aussi le micro sans fil. Ouais. Tiens, mets ton micro ici, assis à côté de Jim Lucianard. Pour terminer, il nous reste 1 minute d'émission. Ouais, c'est ça. Oh non, il y en a qui pleurent. Oh non. C'est dur. Vous êtes 5. Tiens. Ouais, ça marche. On va commencer par toi. Avec l'écharpe rose, vous allez vous passer le micro, d'accord?
Tiens, on va commencer par toi. Ton prénom ? Célia. Tu viens d'où, Célia ? De Picardie. Célia. Salut, Célia. Salut. Bonsoir. De Picardie. T'as quel âge, Célia ? 17 ans. 17 ans. Fais quoi dans la vie, t'es étudiante ? Oui. Très bien. Est-ce que tu viens passer le micro ? Bah, attends, non, c'est bon. Avec ton petit pyjama bleu, là. Ah, trop mignon. Avec ton petit pull bleu, avec les petites capuches et les petites oreilles. Ouais. C'est quoi ton prénom ? Annabelle. Annabelle. Tu as quel âge, Annabelle ? J'ai 14 ans. Annabelle, salut, tu as 14 ans. Tu viens d'où ? De pas loin de Cannes. Pas loin de Cannes. Ok, bon, on va dire Cannes, d'accord ? Ouais. À côté de toi, avec le micro. Kevin. Kevin, bienvenue, Kevin. Salut. Quel âge, quelle ville ? 20 ans. Comment ? 20 ans. 20 ans ? Je crois que c'était la ville, 20 ans. 20 ans. Ok, t'as 20 ans. Et tu viens d'où ? Bah, mon père habite à Cannes et ma mère vers Saint-Etienne. Ah ok, d'accord. Bon bah sois bienvenue en tout cas et bravo à tous les cinq. Et je vous rappelle que dehors il y aura encore d'autres places avec Manu après. Attends juste, ton prénom ? Sarah. Sarah, allez, c'est pas où elle est là. Sarah. Tu viens d'où, Sarah ? Grâce. De Grâce, c'est très bien. Tu as quel âge ? 19 ans. 19 ans. Et ton prénom c'est ? Maëlle. Maëlle. Quel âge ? 12 ans. 12 ans ? Oui. Maëlle, 12 ans de quelle ville ? De quoi ? Tu viens d'où ? Où t'habites ? De Cannes. Ah. De Cannes. Elle est perdue et tout. Ah ouais. C'est vide et c'est plus. On va terminer l'émission. Vous allez vous mettre chacun en face d'un coffret. Vous n'avez pas le droit de les ouvrir, attention. Ah. Un seul à l'intérieur. Oh les là. Il manque le 1. Pas pleurer. Attention, attention, attention. Non. Je ne sais pas lequel a. Dans le coffret Toi t'étais mon con, c'est édition collector, donc c'est un coffret cartonné avec deux livres à l'intérieur. Il y a des tickets à l'intérieur marqués 1 gagné et 4 perdus. Vous avez le droit d'intervertir si vous voulez. S'il y en a un qui veut changer de place et se mettre à côté, est-ce que vous voulez garder celui que le sort vous a donné ou vous voulez changer ? Vous voulez garder dans les micros pour parler, hein, les gars ? Non. Tu veux garder ? Maëlle. Tu veux garder pareil ? Kevin. Oui. Tu veux garder ? C'est bon. Alors, on va reprendre à la une. Tu as la une, ton prénom c'est ? Sarah. Sarah qui a la une. Oh, elle tremble. Oh. Eh, tu as perdu, Sarah. Oh, non. Attends, j'avais pas dit d'ouvrir ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Eh, Sarah qui a ouvert trop vite. Attention, Sarah, c'est pas toi. Il reste une chance sur quatre de gagner les deux places. C'est les deux dernières, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes intéressés sur énergie. Il y avait Black M il y a un instant et vous allez peut-être repartir avec les dernières places, c'est d'accord ? Pire que qui veut gagner des millions, là. Ah, bah là ouais. Alors, attention. On va, vous voulez qu'on fasse dans l'ordre ou on fait comment, là ? On fait, tu au milieu avec ta, avec ton, attention, t'es prête ou pas ? Numéro 3. On va compter jusqu'à 3. Ton prénom, c'est Célia, c'est ça, de Picardie. Je croise très fort les doigts. Il y en a vraiment. On a fait un tirage au sort, voyez, pour voir. Au moins vous êtes venus jusqu'ici. Ça restera quand même un souvenir de fou. Célia ouvre le truc. Pas de malaise. Hein. Et c'est perdu aussi. Ah là là. Est-ce que tu peux te décaler sur le côté ? T'inquiète pas. On a des cadeaux pour vous. On a des beaux cadeaux. Hein. Tiens, tu veux bien décaler ton coffret sans l'ouvrir ? Voilà. Vous êtes tous les trois maintenant. Il y a une chance sur trois de repartir. Les gars, j'ai la pression pour vous, les amis. C'est horrible. Il reste deux filles et un garçon. On va essayer de laisser un garçon et une fille à la fin. Tu veux commencer ou tu veux commencer ? De toute façon, si c'est bon, c'est bon. Ouais. Et vous croyez pas que ça va éliminer tout le monde. Triche, ça peut gagner. La plus jeune au pire. Tu veux rester en dernier ? Tu veux faire maintenant ? Maintenant, allez, alors prends le micro. T'es prête, Maëlle ? Maëlle, attends, près de la bouche. Vas-y, parle. Oui. Comme voilà, là, je t'entends. Maëlle, t'es prête ou pas ? Oui. Ça peut être les deux places pour l'Energy Music Awards. Alors, je sais pas du tout si elles sont dedans ou pas. On met la musique, je suis désolé, je vais mettre une petite musique de stress un peu, mais... Ah, il faut, là, angoisse. Ah, il faut qu'on vive le truc, là, donc voilà. Ok, attention, je mets la petite musique de stress. Attention, c'est ça. Non, attends, voilà. Ah non. Oh, c'est horrible. Ah, j'ai pas besoin pour elle. Oh, je mets la musique de qui veut gagner des millions. Maëlle, quand tu veux ouvrir. C'est bon. T'es prête, vas-y. Oui. 1, 2, 3. Le papier, il est où ? Elle a 12 ans, Maëlle. Elle a 12 ans. Elle a perdu. Oh là là, une chance. T'inquiète pas, on a des beaux cadeaux. Hein. Pas les passe points. Vous êtes plus que deux. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Non, mais c'est sérieux. Moi, je sais pas où ils sont. On vous connaît pas en plus. Maëlle, mets-toi à côté si tu veux bien. Il reste plus que Kevin. Et ton prénom, c'est dans le micro, près du micro. Vas-y. Annabelle. Pour terminer, Tiesto qui arrive dans 10 secondes. Ouais. Annabelle et Kevin. Kevin et Annabelle, il y en a un des deux, les gars, qui va aller avec Justin Bieber sur le tapis rouge demain, qui va marcher avec Coldplay, avec Adele, avec Ed Sheeran, avec tous les artistes énormes qu'il y a demain. C'est tellement gros. Ce qui serait classe. Vous êtes deux. Ça serait que le gagnant. Le gagnant invite l'autre. Ah bah ça serait énorme. Après, t'es comme pas ça, obligé. Vous êtes sûr d'y aller tous les deux. Ça peut être magnifique. Faut vous mettre d'accord. Ma copine là-bas. Ah, il y a ta copine là-bas. Ah, bah, comme tu veux. Bon, mais tu peux l'appeler avec qui, Annabelle ? Je rigole. Annabelle me saute dessus. Avec ma meilleure amie. Si tu gagnes, tu es avec ta meilleure amie. On va laisser l'antenne à Tiesto dans 10 secondes qui attend à Paris pour mixer. Kevin, est-ce que tu veux commencer à ouvrir, parler près de la bouche, s'il vous plaît, les amis, avec le micro ? Annabelle ou Kevin en premier ? Ou en même temps, oh, moi je m'en fous. En même temps. Eh ben alors attention. Alors, ça va crier là, forcément. Alors attention les gars, je vais mettre la musique. Aïe. Kevin, Annabelle,
À 3, vous allez ouvrir. Il y en a un des deux qui part au Energy Music Awards, qui va marcher sur le tapis rouge, qui va défiler demain. Ça va être énorme. Et les photographes, il y aura le mur de photos, il y aura la voiture, enfin, tout est compris. C'est magnifique. Annabelle, Kevin, dans 3, 2, 1, vous ouvrez maintenant. Et c'est Kevin qui a gagné. Kevin, Annabelle, je suis désolé. C'est décevant. Kevin, bravo à toi, mon ami. Bravo, Kevin, Bien joué. Vous êtes quand même arrivé plus loin que les autres qui n'ont pas pu le faire. On va vous filer des beaux cadeaux quand même, qui sont peut-être aussi bons que des places pour l'Energy Music Awards, d'accord ? On va vous demander ce qui vous fera plaisir, on va trouver un truc qui vous fera plaisir. Ne me demandez pas une place pour les Nevas, mais on va trouver un beau cadeau. Kevin, ta copine, elle est où là ? Allez, viens là, la chanceuse, alors, parce que toi, t'as rien branlé, puis t'as gagné. Je vais lui faire le bisou, moi, au moins, le bisou là. Comment elle s'appelle ta copine, Kevin ? Elodie, tiens, mets-toi dans le micro là. Allez, pour se dire au revoir. Elodie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, bah, Elodie, tu vas au Energy Music Awards demain. Voilà, c'est gagné, t'as rien fait, c'est gagné. Bravo. Et t'es juste tombé sur le bon gars qui a gagné. Attends, et ça fait combien de temps que vous étiez devant à attendre les places là ? Il est arrivé à 8h, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. 8h du matin ? Non, du soir. Ah, du soir. Il faut bien manger. Hein. Bon, bah ouais, ouais, c'est vrai. Bon, vous avez attendu 4h quand même. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Annabelle, tu étais arrivée à quelle heure, toi ? Moi, 4h parce que j'étais en cours. Ah, oui, t'avais quoi ? T'es en quelle classe, toi, Annabelle ? Je suis en seconde. Maëlle, t'es arrivée à quelle heure ? À 4h. Bon, moi, je suis désolé, les filles. On va trouver un autre très beau cadeau pour vous faire plaisir, d'accord ? Vous allez voir Amina du Standard qui gère les cadeaux. Elle vous file un beau truc. Kevin, bravo, mon ami. Félicitations. Merci à tout le public demain. Faites du bruit pour vous dehors. Attends. Je viens de stagiaire. Vas-y. On va dire au revoir. Attends, il est où le micro sans fil là ? Il est là. Tiens, je vais le reprendre. Ouais. Juste aller dire au revoir quand même. Dehors. Merci à tout le monde pour l'émission. Demain, il y a Manu qui sera là. Non pas dans le 6-9, mais dans le 10-12. Ouais. Demain, qui sera là pour l'émission. Merci à Mina du Standard. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci d'avoir été hyper nombreux. On vous mettra sur les vidéos YouTube, etc. Je suis désolé pour les places. Demain, entre 10h et midi, il y aura les deux tout derniers tickets. Un gros bisou, tout le monde. Merci, je sais gérer. Merci, JM du Standard. Merci, Guillaume. Merci à toi. Merci, Cam. Bravo, Kevin. Merci, tout le monde. Le Salopark a gagné. À tout le monde, gros bisous. Et demain, en direct d'Energy Music Awards. Et dimanche à 20h sur Energy. Gros bisous, tout le monde. Et à dimanche. Ciao, les gars. On vous laisse avec Tiesto. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Les plus grosses bombes dance, toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Allez, on met ça à minuit 7 après Cannes. On revient en direct des studios à Paris. Baptiste avec vous là, c'est Energy Extravadance jusqu'à 6h du mat. Ça va être le feu. Steve Aoki, Armin van Buuren et maintenant Tiesto. Voilà, pendant 2h au platine, Tiesto qui mixe le nouveau Firebeats après sa nouvelle prod avec Oliver Heldens dans Energy Extravadance. Tous les week-ends, minuit, Energy Extravadance. Oh yeah! La plus grosse taf de France démarre maintenant.